Alors, je suis de retour. J'ai un autre rendez-vous à 15h. J'ai un autre rendez-vous à 15h. Là, je suis de retour. On va tapoter un peu. Venons en cause, j'ai un autre rendez-vous à 15h. J'ai déjà fini avec celui-ci. La femme des rendez-vous. Venez, non. Ah là 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 là. Il y a souvent les fantômes dans les directs là. Quand tu lances les directs comme ça, la maman des beaux gosses, ma yam sœur, la sœur de Tata Lolo, ma belle sœur, ma yam sœur, Paris Diamant, tu es où depuis? Je te voyais plus. Sharon chérie Coco, Waya, on dit quoi? La maman des beaux gosses, on dit quoi? Ça fait longtemps. Non, oui, voilà, j'ai pas. Pas, ça fait pas longtemps quand même. C'est comme si. La maman des beaux gosses, on dit quoi, non, ma yam sœur? La belle fille Bangoula. Tu Ngoula 25 novembre. Ouais, Langassi, quand il dit tu Ngoula 25 novembre. Bonjour. Diamant, Paris Diamant, tu es où depuis? Ça fait longtemps. Hein? Je te vois plus connecté. Tu es où? Hein? Tu es où depuis? Venons tapote, non? Venons cause un peu. Si vous ne venez pas, moi et pas. Hein? La maman des beaux gosses, on dit quoi? Ouais. Wafo, le phénomène Wafo. Le phénomène Wafo n'est pas facile. Je vous disais tantôt que je n'ai plus envie de clasher, de parler de Wafo pour le moment. Parce que ils vont mélanger les choses. Ils vont se dire que Wafo est en train de. Elle est sortie, soi-disant, entre guillemets, hein, vient défendre une personne. Alors que cette personne a un chargé de communication. Elle venait défendre la première dame. Comme beaucoup d'entre eux. Parce que. Je l'ai entendu dire que c'est grâce à ses sorties que Marlène a dit qu'elle est classe. C'est faux. Elle dit ça depuis peut-être 3 semaines aujourd'hui qu'elle dit la même chose, qu'elle ne classe plus. Elle vient juste vous répondre. Vous qui vous adressez à elle. Donc ce n'est pas par rapport à toi. Il ne faut pas souvent venir voler la vedette. On a vu plusieurs personnes ont fait les sorties là. Il n'y a pas que toi. Même les non-nimes. J'ai vu les gens faire les directs. Donc laisse l'affaire là que tu veux t'accaparer. Genre tu veux dire que c'est toi qui es Kingon. Mais entre parenthèses, je ne veux pas trop parler de cette histoire. Je vais demander, Zizi Lionel, bonjour. Je vais demander qu'est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une bonne décision que j'ai prise. Parce que faut pas mélanger les choses. Elle risque de dire après que non, elles m'ont mélangé. Lolo a pris sa part. Non, je préfère le laisser faire le game. Faire le que. Non, gérer leurs problèmes, quoi. Et après, même le mois prochain, je venais dire à Wafo ce que j'ai à dire. Hein. Vous trouvez ça comment? Dites-moi, donnez-moi une idée. J'ai raison ou pas? C'est souvent bizarre quand tu fais le direct, tu demandes quelqu'un, tu as raison ou pas. Personne ne dit. Dites-moi alors. J'ai raison de me calmer d'abord pour un moment.
J'ai raison de me calmer pour le moment, non? Voilà, arrête maintenant, c'est ça. C'est mieux. Parce que tu sais, les gens là, ils cherchent toujours, tu as raison, après ils vont dire que tu es insulté, ou à faux parce qu'elle a défendu la peur. Voilà, tu as tout compris, j'ai vite compris le truc. J'ai dit que non, je ne suis pas bête, parce que là, elles vont se dire que j'ai attaqué ou à faux parce que, et voilà, donc je préfère d'abord laisser, vous avez compris, non? Parce que Wafo, c'est une clé, c'est une mythomane. Elle est même malade. C'est une femme qui est malade. Je reviendrai sur elle après. Quand cette chose-là va, ça va se calmer. Bonjour, Lydie Fokem. Ne te calme pas, mais le volume est bon. Non. Marie-Paul, bonjour. La reine Eloa, bonjour. Non, il faut pas. Sois intelligent dans les réseaux sociaux. Hein. Moi, je fais pas les trucs que j'ai réfléchi. Si elle avait fait son direct et qu'elle n'avait pas prononcé, ça fait quoi? Claude François, j'efface ton commentaire, ça n'a pas lieu d'être ici, on ne parle pas d'elle. Voilà. Tu es dans le bon chemin. Cela les énerve et elles veulent te détourner de ton objectif. C'est ça. Moi, je ne suis plus dedans. Parce que ce que dit la reine Eloa, c'est vrai. Parce que après, elles vont retourner ça contre moi. Hein. Elles vont dire que oui, parce qu'elle est partie des fois la période. Moi, je suis venu m'en prendre à elle. Bon, je suis plutôt la merveille. Bonjour. Je ne veux pas. C'est mieux qu'on laisse d'abord Wafo avec Malène. On le laisse, on le regarde. Si Wafo n'avait pas mentionné le nom des Bamileke, je ne serais jamais venu. Parce que j'ai entendu, j'ai vu dans le direct de rêve, les blogueuses qui ne veulent pas m'oublier. Parce que moi, je vous ai déjà oublié. Vous, les blogueuses là, j'ai dit que je ne fais plus les clashs avec vous. Vous n'êtes pas mon niveau de clash. En vrai, vous n'êtes pas mon niveau de clash. Il y a des choses qu'on a besoin de dénoncer. On a besoin de s'occuper du pays. On a besoin de faire beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Je n'ai plus le temps. Le jour que j'ai un peu mon temps, que j'ai un peu d'argent, je lance une émission télé. Voilà, j'organise une émission télé, j'invite les... Moi, j'ai envie d'inviter les activistes maintenant. Parce qu'avec eux, vraiment, on apprend beaucoup de choses. On voit un peu... Vous savez, on a quand même zombifié les Camerounais à un point que les Camerounais ne veulent pas sortir. Donc, on va aider les Camerounais à sortir dans tout ce désordre-là. Franchement, les affaires de San Calesson, c'est très bien réfléchi. De ta part, tu as vu net, tu vas récupérer. Voilà ma épaule. On ne veut plus ça. Vos affaires de classe là que le Bangala a fait, que le machin. Voilà ça que vous savez tous les jours. Je vais vous raconter comment une séance de binda avec le professeur, je vais me doser. C'est qui se passe, c'est dans sa tête. Hein. C'est pas un truc qui a été. Ce n'est pas une histoire vraie. C'est un truc que. Oui, je préfère inviter les reines-mères des Athénances, vraiment les filles, je vais inviter les patriotes comme Marie-Paul Po, je peux l'inviter. Moi, j'invite les gens comme ça. Moi, je ne veux plus. Dans vos sales choses là. Dis donc, on ne veut plus ça. Les Camerounais sont fatigués. Les sans calessons. Oh, tu avais Binda. Vous venez raconter vos histoires de vos anciennes vies, des camions et tout ça. Nous sommes fatigués de ça. Les affaires de celles qui avaient fait les annonces, celles c'était Waka. Oh, machin, non. J'ai vu qu'il y a certaines blogueuses là qui ne veulent pas m'oublier. Moi, je vous ai oublié. Je ne suis pas les bons. Je ne suis pas une blogueuse qui a pu manger au restaurant hier. Quand elle part à Monaco, là, elle mange dans les grands restaurants. J'ai habité à Cannes. À Cannes, j'ai mangé, j'ai dormi dans tous les grands hôtels de Cannes. Donc, je ne suis pas à votre niveau, pardon. Parce que j'écoute même votre langage, je n'ai même plus envie de. Je n'ai plus envie de me mélanger avec vous, pardon. J'ai dit que je suis en paix avec moi, je suis en paix avec tout le monde. Je ne veux pas. Ne venez pas sur moi, pardon. C'est même quand ma pays se réveille bien, il partage ça que je veux. Je vois même un peu certains vite fait là. Sinon, ça, je ne m'attendais pas là-dessus. Les Camerounais ont besoin. Nous sommes à la veille des élections 2025. 2025, là, il faut qu'on prépare ça. Moi, je suis camerounaise. Donc, l'actualité de mon pays m'intéresse. Voilà. L'actualité de mon pays m'intéresse. Je ne veux plus les histoires que j'ai pas. Je les sens qu'elles sont là, ça ne m'intéresse pas. Partez avec ça. Je ne suis pas dedans. Risque qu'on me dit que l'autre va me manger. Maman, c'est maman, il va manger la bonne chair. Regardez ma peau. Il va manger. Quelqu'un. Maman, moi, je dis que je suis une star. Et une star, tu joues les fanatiques. Même Michael Jackson avait les fanatiques. Le fanatique peut te tuer. Parce qu'il voit que il t'aime tellement que tu n'as pas la. Il t'aime au point où il est capable de te tuer et de continuer sa vie. Donc j'ai les fanatiques. C'est normal que ces fanatiques-là parlent de moi. Je ne veux plus que les Lomaya commencent à se lamenter. Oh, pourquoi elle parle de moi? Elle va parler de moi, elle va parler de qui? Elle est fanatique de moi. Vous ne voyez pas quand je porte un habit porteur.
Je me maquille, c'est maquillé. Ça veut dire qu'elle ne met pas les mains, elle ne met pas les make-up. Elles sont devenues les mamas make-up internationales. Mercedes Mao, ma petite soeur, bonjour. Donc, je veux vous servir la saleté. Nous sommes maintenant dans le blog renouveau. Nous allons rénover le blog camerounais. Nous ne voulons plus ça. Nous sommes fatigués. Le piment a fait que vous avez vous-même fait la propagande du piment dans les réseaux sociaux. C'est qui fait que même les jeunes filles qui ne connaissaient pas les mots de Bambinda, les jeunes femmes aujourd'hui là, elles emploient ces mots là dans les maisons. Moi, je ne veux plus entrer dans ça. C'est terminé. J'ai fréquenté tous les hôtels, maman, les Martinez, les Calton, les hôtels Stéphanie, tout ça là, donc jusqu'à Monaco. Parce que moi, je veux dire que je suis une fille qui n'aime pas m'afficher, je n'aime pas vous montrer certaines choses. Parce qu'il y a des femmes qui me disent, les jeunes qui me suivent. Moi, je fais mes choses en cachette. Je ne veux pas entrer dans la saleté là. Oh, les tuiles du quartier. Chaque blogueuse doit tenir son blog. Il y a des actualités. Je vois une blogueuse là qui met une demi-annonce là qui fait des émissions, mais là c'est bien. Elle n'a pas besoin de cacher pour avoir les vues. Elle n'a pas besoin. Il y a des thèmes que tu mets sur la table. Les Camerounais vont te suivre par rapport à ça. Les Camerounais n'ont pas besoin de te suivre par rapport à les le cœur. Aujourd'hui, on dit qu'il y a un problème de l'esthéticité au Cameroun. Enéo, la société Enéo, pour le courant tous les jours. Nous avons les problèmes des routes au Cameroun. Nous allons dénoncer tout ça. C'est pas parce qu'on n'aime pas le Cameroun. Voilà, on doit utiliser notre voix pour parler. Je vais venir m'asseoir là pour parler. Pour Wafo, je ne laisse pas. Je vais parler à Wafo. Parce que Wafo, dans son premier direct, elle a dit que les Bamileke ont une nouvelle blogueuse. Je n'ai pas aimé ça. Qu'elle attribue le nom Bamileke dans leur saleté. Le Bamileke n'a rien à voir dans ça. Quand Malène en direct, tous les Camerounais vont là-bas, ils vont vraiment écouter. Comme elle-même, quand elle en direct, tous les Camerounais vont aussi là-bas, je vais l'écouter. Ne pas attribuer une ethnie à vos clashs. Elle a dit que les Bamilékés veulent à tout pour atteindre le pouvoir. Le pouvoir n'appartient. Le pouvoir à tous les. Je dis que quand Papo ne sera plus là, chaque Camerounais doit mettre sa candidature. On dit ça comment Blandine, noir, il y a le multipartisme au Cameroun. Donc ça veut dire que la démocratie, il y a les partis politiques. Chacun est libre de mettre sa candidature, d'être président au Cameroun. Il n'y a pas une histoire comme dit que tel est ni. Même les Ivoiriens avaient dit que. Un gars du Nord ne sera jamais président. Voilà la Saint Ouattara qui est président depuis 13 ans. Vous êtes Dieu pour dire ça. Vous êtes Dieu pour venir dire qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Par rapport à quoi? Le Bamileke n'est pas Camerounais. Un Bamileke, c'est un Camerounais. Le Bamileke, c'est un Camerounais. Les Ivoiriens que jamais un Nordiste au pouvoir en Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Dramane Ouattara est là depuis plus de 13 ans. Donc chaque Camerounais peut déposer sa candidature. Arrêtez vos histoires là que c'est là où je suis sorti sur Wafo. Sinon je ne serais jamais sorti sur elle. Et je n'ai pas menti parce que les preuves sont là. Il n'y a pas que s'il faut monter le peuple Bamileke contre quelqu'un qui mal pas, qui peut monter les Camerounais ou le peuple Bamileke contre quelqu'un qui veut mépriser les Bamileke, je vais le faire. Et ça ne choque pas. Celui qui n'est pas content, pas tomber, jeter son corps là. Je suis Bami. Vous faites les soirs, on entend seulement le patois. Vous ne voyez pas que vous êtes tribaliste. Quand on fait une soirée, on entend seulement le patron. Les gens parlent seulement au patron, ce n'est pas le tribaliste. Mais quand c'est pour nous, vous dites que c'est le tribaliste. Je n'en ai rien à foutre. Je ne gère plus vos émotions. Je ne gère plus vos humeurs. J'ai dit ça. Quelqu'un parle, même si quelqu'un parle à un peuple qui n'est même pas Bamileke, je vais lancer ma caméra, je vais insulter la personne. C'est comme ça. Donc, les Bamileke ont le droit. C'est que je suis venu parler à Wafo, que Wafo arrête de mentir. Et Wafo, en passant, je t'ai dit que je te laisse parce que. Je ne veux pas qu'on ils vont mal interpréter mes sorties avec toi. Je suis sorti de cette raison-là. Et j'ai dit, et je redis encore à notre première dame, la maman de toutes les Camerounaises, ne l'a plus accepter ces wakala à la présidence. Elle salisse ton image. Regarde d'abord, écoute même d'abord leur direct, ce qui sort de leur bouche. Une femme qui vient raconter qu'un homme comme le professeur Mendoza, elle vient raconter sur Facebook. Écoute même d'abord le langage de ces femmes-là. Elle ne mérite même pas de tenir. Même ta pomme de main veut de l'or. Elle ne doit même pas te saluer. Ce sont ces femmes-là qui ont ramené ton nom dans les réseaux sociaux. Ce sont ces femmes-là qui ont ramené ton nom parce qu'elles cherchent des avantages derrière ton nom. Et il faut stopper ça. Ça, c'est mon conseil que je peux donner. C'est tout. Maintenant, Wafo, il faut que tu nous montres. Tu as dit, comme tu manques, comme tu respires. Je tiens à rappeler aux Camerounais, c'est que Wafo, sa mère, c'est une Bangkok. Je vous dis, ce n'est pas que je ne manque pas. Je ne sais pas mentir sur quelqu'un.
Ouaf, c'est pas l'idée parmi. C'est-à-dire que moi, je te connais. Je te connais bien. Très bien. Mais tu sais pas que je te connais. Mais je vais jamais te dire où je te connais. Ouaf, tu es Banenkok de mer. 100%. Tu m'as dit hier que ta grand-mère est Banenkok. Avant, tu as dit que tu as 10% des Bamileke. Comment tu peux avoir 10% des Bamileke alors que ta grand-mère est Banenkok? Ta grand-mère Banenkok, c'est que tu as 50% des Bamileke. Ta grand-mère, c'est toi-même qui ouvre ta bouche, tu dis que ta grand-mère est Banenkok. Pourquoi tu n'as pas dit ça depuis? Maintenant, les écanquis disent que je mens. Les filles bêtises disent que je mens. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Que sa grand-mère est Banenkok. Quand vous dites qu'il y a des gens qui rejettent leur personne, qui rejettent leur vie, ils ne veulent pas accepter leur vie, ils refusent ça, ils se vantent une vie. Voilà ça, c'est Wafo. Sa grand-mère est Banenkok, mais elle a 10% des Bamilékés. Elle dit que sa grand-mère l'avait amenée chez le marabout. Elle écoutait son direct. Elle a 10% des Bamilékés, mais sa grand-mère est Banenkok. Wafo, on peut mentir quoi. Ta mère est Banenkok 100%. Ton père même, tu ne le connais pas. Ta mère est Banenkok 100%. Je connais, c'est pas, je suis pas une fille de mauvaise moralité. Je t'aurais montré votre maison. Je t'aurais montré ça. Ta grand-mère est Banenkok. Tu as dit que ta grand-mère est Banenkok. Tu es une fille, tu as grandi dans l'environnement Bamileke. Mais tu as refusé ça. Tu es dans les Bamileke. Tu sais qu'à l'époque, je peux te comprendre. À l'époque, on insultait un peu tous les Bamileke à l'école. Les Bamileke, être Bami, c'est un péché. Il y avait les petites phrases là qu'on intriguait les Bamileke avec ça. Beaucoup de Bamileke refusaient qu'ils sont Bamileke. Mais moi, j'ai jamais refusé que je suis Bamileke. Tu fais partie de ces Bamileke là qui n'ont jamais accepté qu'ils sont des Bamileke parce qu'il y avait honte des intrigues. Tu te cachais. C'est pas grave. Tu es Bamileke. Et ça me choque qu'une fille Bamileke vient insulter les Bamileke. Tu n'arrives même pas à parler bêtis. Moi, je suis né chez les bêtises. Quand ils font parler, tu ne parles pas. Tu ne parles pas ni boulou, tu ne parles ni boulou, ni hondo. Tu ne parles pas. Tu as pris dans le tas. C'est que tu parles à moi, mais je peux parler ça. Donc, fais ton clash avec Marlène. Après, je vais revenir sur toi. Parce qu'à l'heure où tu es là, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de maison. Tu as été chassé dans ta maison. Moi, l'homme m'a quitté, mais je suis resté dans la maison. Tu as 3 enfants. 2 enfants, le premier, c'est l'enfant du gars, du petit frère, du gars qui avait les problèmes avec Dieu Cyclone. Le grand homme d'affaires là, c'est son petit frère avec qui tu as eu le premier enfant. Tu as porté la grossesse à Jakarta. Tu es revenu de Jakarta. Je vais te raconter ton histoire. Tu vas rester, tu vas ou pas. Et tu as voulu te marier en France avec un blanc à Belfort. Le blanc t'a abandonné à la mairie. Si je dis que je mens, tu dis que Lolo ment, il va te sortir les papiers de la mairie. Fais très attention, moi j'ai les Lolo mania. Mais c'est pas que je suis fille que j'ai un cœur, je n'aime pas exposer, je n'aime pas trop entrer dans la vie privée des gens. Tu es avant, quand tu vas finir avec malaise, je vais revenir sur toi. Donc, je te laisse là pour aujourd'hui. Mais dès que d'où tu es là, tu n'as pas de maison. Et tu mesures 1m30, tu mesures, mais tu vois quelqu'un qui ment même sur sa propre taille. Quelqu'un qui refuse sa propre taille. Elle dit qu'elle mesure 1m60. Donc tu as la même taille que moi. Tu ne peux pas avoir la même taille que moi. Tu mesures 1m30. Au moins 1m40. Quelqu'un qui refuse d'avoir sa taille. Qu'elle ne met pas. Dites à Wafo qu'elle. Elle doit faire en direct. Elle part en direct à la pharmacie. Elle mesure sa taille. Vous allez voir. Si elle fait 1m70, je quitte Facebook. Je quitte Facebook. Elle a 1m30. 1m30 ou 1m40. Comment tu peux refuser? Donc, Wafo, je te laisse pas peut-être parce que j'ai peur de toi. Parce que c'est que le combat là, je ne dois pas sortir maintenant. Je vais sortir sur toi après. Tu es une grosse menteuse. Tu n'as pas de maison où tu es placé là. Le père de ton premier enfant, tu as porté la grossesse à Jakarta. C'est le petit frère du grand homme d'affaires qui avait les problèmes avec Dieu Cyclone au Cameroun. C'est un anglophone. Le père de ta dernière fille, c'est Matoke. Il est en Turquie. C'est lui qui a l'immeuble. Et tu avais volé son argent pour aller arranger avec ta mère à Mendon. Je vais donner tout ton face. Pour le moment, je mets d'abord ça au congélateur. Je vais revenir sur toi. Je vais décrypter le live que tu as fait sur le professeur. J'ai même nous ayons tout fait. Mais je dis à la première dame que à notre maman, pas peut-être parce qu'elle peut m'accoucher. Pas peut-être parce qu'elle est plus vieille que mon nom. Parce que c'est une maman. Elle représente la femme camerounaise. De se méfier des gens comme vous là. Elle doit se méfier des gens comme vous là. C'est vous qui êtes en train de vous êtes en train de salir son image dans les réseaux sociaux. Et ça me fait très mal. Vous salissez le nom de la femme là. Elle doit se méfier des gens comme vous là. Vous êtes des mendiantes. Vous êtes des femmes dangereuses.
Vous avez les ouvertures au Cameroun. Vous êtes très dangereuses. Vous êtes des opportunistes. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas du tout. Quand on aime quelqu'un, on évite même de prononcer son nom dans les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas les gens que moi, Lolo, je connais. Quand tu me vois prononcer le nom de quelqu'un, c'est que la personne m'a dit, vas-y, fais-le. Donc il faut arrêter pour le trafic d'influence. Tu es français, tu vas aller porter plainte aux gens au Cameroun, pourquoi? En tant que français, tu vas aller porter plainte aux gens au Cameroun, pourquoi? Alors que tu vis en France. Je vais revenir sur toi. Je dis que je suis fier dans mon célibat. Je suis heureuse. Les hommes qui sont partis, je ne pleure pas. Mais on va revenir sur l'attacheur. L'attacheur. Tu as pris que tu as pris les photos, tu as mis. La fille qui va essayer de mettre sa bouche dans mon poignet, toi, je sors mon téléphone, je verse tous les secrets. N'essayez même pas. Mais quand tout le monde était sans caleçon, personne n'était là. Il n'y avait personne qui était là. Et je vais dire, je vais passer un mot aux artistes, surtout les femmes. Nos artistes. Je vais dire que moi, je regarde la page de Lady Ponce. Lady Ponce est indigne à chaque fois qu'il y a un poème au Cameroun. Elle publie sur sa page. Ces artistes-là, je vais enlever Marc Catino parce que Marc Catino a une relation particulière avec la première dame. Mais ces artistes-là qui sortent dans les réseaux sociaux, elles viennent tenir des discours là que oh, si vous ne dénoncez pas les injustices que les femmes camerounaises vivent dans les réseaux sociaux, je vais lancer un boycott contre vous en diaspora. Je vous aurai comme ennemi, je ne vous aurai pas comme ami. Je m'en fous de vous. Moi, je dis en Bengoun, mais ça ne sert à rien. Quand vous venez, c'est moi qui vous donne le choco. Quand vous chantez, vous donne l'argent. Je le dis, je vous donne l'argent, vous choco. Donc, votre amitié ne me sert à rien. Moi, d'abord, je n'ai pas d'amis. Je vis seul. Donc, votre amitié ne me sert à rien. Je vais dire aux artistes camerounaises là, quand vous êtes les porte-parole de la femme camerounaise, vous devez vous indigner pour les souffrances des femmes camerounaises au Cameroun. Ne sortez pas quand vous avez faim, quand la musique vous a dépassé. Vous cherchez les enveloppes. Vous venez vous faire passer pour les femmes qui s'indignent trop au comportement des femmes. Fermez vos gueules. Si vous continuez, moi je dis que ma voix porte en diaspora. Moi même vous cherchez dans les soirées. C'est que quand vous allez soirée, moi je sors. C'est que quelqu'un vient faroter, j'arrache l'argent là. C'est que quelqu'un vient lancer le boycott. C'est que quand vous venez en diaspora là, zéro, je dis que zéro farotage. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Parce que c'est inadmissible. Que les femmes pleurent tous les jours. Quand il n'y a pas le courant, les bains dans leurs poissons pourrissent, leurs condiments pourrissent dans les congélateurs. Elles souffrent, les mamans souffrent. Les gens qui partent accoucher dans les hôpitaux. Elles perdent leurs enfants, les jumeaux meurent. Tous les jours, on entend que les petites filles ont perdu leurs enfants dans les hôpitaux. Aucune artiste camerounaise en dehors de Lady Ponce. C'est lève vous parler. Quand on peut parler des affaires, les sangs, quand on vous voit, vous venez vous placer devant les réseaux sociaux. On va commencer à vous boycotter en diaspora parce qu'au Cameroun, là, vous ne pouvez pas. Oui, il faut arrêter. Vous êtes très méchante. C'est là où j'ai vu votre méchanceté pour les artistes camerounais. Je ne savais pas que vos voix, que vous aussi, vous pouvez parler. Je croyais que vous étiez muette. Je ne savais pas que vous avez aussi la bouche pour parler. Que vous aussi, vous teniez devant une caméra et parler. Je ne savais pas ça. J'étais choqué. Il y a aussi caresse pour ceux qui s'indignent. Vous ne vous indignez jamais. Les souffrances des femmes camerounaises, vous faites comme si vous ne voyez pas. Donc, à partir de quand je vais commencer à vous dire, hein, ce n'est pas une histoire de dire que les gars de la basse, moi-même, en tant qu'une femme, je vais me placer, vous me connaissez, non, ça ne choque pas. Je vous regarde. Je vais mettre ma caméra qui est zéro farotage en diaspora. Vous n'aurez plus rien. Et on va même choisir les artistes. Nous allons commencer à faire les soirées en diaspora, les soirées dansantes. Il n'y aura plus d'artistes. Vous avez compris? Parce que moi, je connais tous les promoteurs des soirées là. Nous allons faire les soirées dansantes. Il n'y aura plus d'artistes. Il n'y aura pas que machin qu'elle avait dénoncé avant. On s'en fout d'avant, on vit le présent. On vit le présent. Nous sommes en 2024, nous sommes pas en 1980. Vous allez commencer à parler. On ne vous dit pas d'être contre le gouvernement. On ne vous dit pas d'insulter la première dame. On ne vous dit pas d'insulter le président de la République. On ne vous dit pas ça. Moi, je ne peux jamais me permettre d'insulter la première dame ni le président de la République. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez parler. Ouvrez vos gueules. Vous dites que non. Ennio en fait trop. Hein? Ennio exagère. Il n'y a pas de courant. Les jours, les taximans souffrent. On augmente le prix du carburant. Le best qui va s'en sortir comment?
Vous ne saurez pas vous parler, mais quand vous venez vous asseoir, vous les artistes camerounaises là, je vais demander qu'on ne vous boycotte plus. Vous allez chanter sans un euro. C'est que quand on dit qu'il y a votre, il y a soirée de tel artiste en diaspora, personne ne part. On vous boycotte via WhatsApp. Le boycott que personne ne part. Vous allez rester avec elle. Même les promoteurs vont conseiller que, hey, nous on n'invite plus. Hein. Il n'y a pas comment dire que tel artiste, on boycotte l'artiste. On dit que vous tous, on fait comme les Congolais. Nous allons maintenant faire comme les Congolais. Tout le monde, sans exception, ça va vous pousser à parler. C'est quoi? Donc vous les faire si vous parlez. Donc vous s'ouvrez, mon frère. Avec toutes les souffrances. J'ai vu Monique Komatekel qui est décédée. Je n'ai vu aucune artiste camerounaise rendre hommage à Monique Komatekel un jour. Même une minute de silence à Monique Komatekel. Jamais. Mais elle serait ici en dansement, on vient de faire. Oh, vous chantez même d'abord quoi? Vous chantez quoi? Hein? Vous chantez quoi? On va commencer à vous boycotter. Parce que nous allons faire les soirées dansantes, les soirées dansantes. Que nous, on dit, on danse, on met la musique, on danse seulement. Soirées dansantes, ça ne chauffe pas. Nous allons interdire aux promoteurs là, de vous inviter. Mais si vous venez là, vous n'aurez pas le farotage. Je ne sais pas que les artistes camerounais avaient aussi la bouche pour parler. Donc vous parlez aussi. Hey, de mon frère. Donc vous parlez. Vous ne voyez pas vos mamans qui souffrent là-bas dans les marchés. Comment la vie est chère. Comment la vie est due? Dis que non à la coupure de courant, c'est un problème. Tu boycottes, tu es de la base et interdit au pays n'importe quoi. Mouf, qui te dégage? Je suis de la base depuis quand? Mouf, oui, je suis de la base. Qui demande mon mur? Tu veux les cavernes et sono. La misère, ça te gratte. Avec ta tête comme le parfum. Voilà les Camerounais, que tu es de la base. Je suis de la base. Tu sais pas que même les blogueurs, ils voient une dénonce. Quand on avait dit demain qu'on va augmenter la vie chère en Côte d'Ivoire, tous les blogueurs vont faire les directs. Ils ont dénoncé. C'est eux qui sont contre le gouvernement. Même les Yaka Yaka qui sont les pro Ouattara, ils ont parlé. C'est eux qui sont contre le gouvernement. Les gars ont une tête percée comme ça. Les gens qui pensent que le Cameroun est toujours en arrière. Dégage. Qui tue mon mur? Et sono. Hein? Allez, qui tue mon mur? Et nous, exagère. Quand ils coupent le coin, ils couchent pour ma mère. Il coupe souvent dans la maison de mon grand-père, ou il coupe souvent dans ma maison familiale. Il coupe pour tous les Camerounais, non? Tu connais combien de Camerounais sont déjà morts à cause de la fin des Néo? Hein? Tu ne penses qu'à toi, parce que tu es assis en Europe. Après, il dit que c'est ça, les affaires, je suis. Tu vas venir partir avec les gens de la base. Tu as vu que les gars de la base tombent sur moi ici, là. Et c'est de la base, et c'est de la base. Oui, j'accepte. Ça, vous êtes souvent attribuer quelque chose à quelqu'un. Vous êtes content quand le président a pu décider chaque fois, les gens ne peuvent pas l'agresser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut améliorer les choses. Et nous, on exagère. Les coupures d'eau, les coupures de courant, c'est quoi? Nos enfants vont à l'école, ils vont étudier comment? Les enfants étudient maintenant avec les bougies au Cameroun, avec les lampes tempêtes. Les mamans vont au marché avec les paniers vides. Elles rentrent au marché, elles n'arrivent même plus à manger. Nos enfants sont obligés d'aller dans la délinquance, dans la dérive, dans la prostitution, dans le banditisme. Nos enfants sont obligés de se jeter dans la prostitution, dans le banditisme. Dans le voyeurisme, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Tous sont venus se prostituer. Les mamans envoient les enfants aller se prostituer parce qu'elles n'ont pas de moyens pour vivre. Si une peut sauver le reste, pourquoi pas sacrifier une? On sacrifie une. Si elle veut faire manger toute la famille, il y avait ça avant au Cameroun. On veut parler, l'idiot veut s'approcher, il veut dire que tu es de la base. Quelle base? J'ai quoi à foutre avec la base? J'ai quoi à foutre avec la base? Nous sommes fatigués des coupures du courant. J'ai une femme dans le direct là. Elle dit carrément que les Camerounais sont paresseux. Elle dit bien que elle est en diaspora. Mais les Camerounais sont très paresseux, madame. J'ai envie de vous dire que vous êtes une grosse menteuse. J'ai envie de vous dire que vous êtes une femme très malhonnête. Même le président de la République connaît que les Camerounais sont des travailleurs. Vous êtes une femme très malhonnête. Vous venez vociférer du n'importe quoi dans les directs. Vous voulez empêcher aux blogueuses de dénoncer. Vous voulez empêcher aux blogueuses de parler. Hein? Vous êtes à l'audition de Fleur de Lille. Elle a dit carrément que non, qu'au Cameroun, les Camerounais sont paresseux. Menteuse que tu sois. Espèce de menteuse. Parce que quand vous voyez comment les blogueurs se lèvent, elles veulent essayer de mobiliser le peuple camerounais. Pas pour que les Camerounais vont dans la rue. Non. Pour qu'on essaie de voir le problème, pourquoi le gouvernement essaie de voir le. Parce que le NO c'est privé, non? Et NO c'est privé. Que le gouvernement essaie de voir avec les gens de NO là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de coupures de courant? Quand ça ne vous arrange pas, tu entres dans le direct, tu joues la petite maline. Oh oui, je suis en diaspora, j'ai vu au Cameroun, les Camerounais n'aiment pas travailler. Ferme ta gueule.
Tu venais manipuler, parce que ça ne t'arrange pas. Quand les Camerounais viennent se plaindre, tu voulais détourner le direct. Moi, je t'aurais raccroché. Et quand ils viennent comme ça, elles viennent avec les voix mielleuses. Elles se font passer pour des anges, elles commencent à parler comme des blanches. Oh, tu sais, le Cameroun est ma chienne, c'est dit, c'est la mytho. Menteuse. Les Camerounais sont des travailleurs. Dans combien de pays tu peux voir quelqu'un qui a le doctorat conduire le Ben Sikine? Dans combien de pays en Afrique tu peux voir un Ivoirien conduire le Ben Sikine avec le doctorat? Il n'y a pas le Ben Sikine en Côte d'Ivoire. Hein? Il n'y a pas le Ben Sikine en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de moto en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Ivoirien qui est docteur, qui a un doctorat qui est Ben Sikine. Tu as compris quoi? Tu venais salir les Camerounais? Nous avons tout, hein? nous avons un grand pays. Hein? Nous avons un grand pays. Ne venez pas vociférer du n'importe quoi et mentir sur les Camerounais. Menteuse que tu sois. Menteuse. Regardez-moi celle-là. Il fallait montrer ton visage. Tu es devenu mentir comme ça devant le monde entier. Tu n'as pas honte de mentir sur les Camerounais. Tu n'as pas honte de venir mentir sur tes frères Camerounais. Je dis qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de moto. Au Gabon, il n'y a pas de moto. En Guinée-Équatoriale, il n'y a pas de moto. Tu ne verras jamais quelqu'un qui est licencié en Côte d'Ivoire conduire la moto. Seulement si c'est pour sa propre moto. Seulement si sa propre moto. Tu ne verras jamais un Ivoirien conduire la moto, faire le Ben Sikine. Parce qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, mais au Cameroun. Nous voyons des vaillants Camerounais qui conduisent les motos. Avec le doctorat dans la poche. Avec la licence dans la poche. Avec un master dans la poche. Tu viens de dire quand même que les Camerounais sont paresseux. Ils sont paresseux avec quoi? Qui cultive la terre comme les Camerounais? Partagez le direct. Je n'aime pas qu'il n'y ait pas prié. Partagez le direct. Partagez. Ça, c'est un direct. J'ai lancé ça comme ça. Que quand je suis inspiré, vous devez partager. Quand c'est le direct du Congo, ça a été 5000 personnes. Et vous demandez que non, Tata Lolo, sensibilisez. Oh, les blogueurs, sensibilisez. Nous, on vient maintenant sensibiliser. Vous ne partagez pas. Mais quand c'est le direct du Congo, ça, vous allez partager. Je vais changer. Je commence le Congo, ça. Partagez. Il faut au moins 1000 personnes. Ben, ça doit passer, ça doit arriver loin. Quand tu fais une victime, ça doit arriver loin. Vous ne voulez pas partager. Mais quand c'est pour dire que, oh, le bagarre fait que si elle sort le goût de Gémé ici, là, vous allez monter 4000 Camerounais. Vous voulez que les gens fassent. Qu'est-ce que. Vous voulez qu'on fasse comment? Qu'on coupe vos bras, vous donne. Vous voulez qu'on fasse comment? Moi, je ne peux pas avoir le même dialogue que vous. Hein? Vous voulez que les Camerounais se battent comment? Hey, Dolo Moulema. Hey, Dolo Moulema, maman. Tu es là, ma. Lolo vous dépasse. Tu as vu Dolo Moulema. Aïe, c'est un cuit. Dolo Moulema. Aïe, la messe de Julien Zombie. Hey, Lolo Hélène. Tu as vu Dolo Moulema. C'est un cuit, c'est un tac. Partagez le direct. Attendez, partage ici. Attends. Vous parlez de quoi? Je dis que qui fait la culture comme les Camerounais? Qui cultive la terre comme les Camerounais? Bipez-moi la sorcière Camerounais là qui vient mentir que les Camerounais ne travaillent pas là. Je vais te parler de l'homme Camerounais. Parce que moi j'ai voyagé. J'étais en Guinée équatoriale. J'étais au Gabon. J'étais en Côte d'Ivoire. Je peux te parler un peu du Cameroun avec l'expérience des trois pays que j'ai vus là. Tu as compris? Je peux te parler de l'expérience du Cameroun. Je peux te parler du Cameroun avec les trois pays que j'ai visités là. Les Camerounais sont des travailleurs. Ne dis plus jamais que les Camerounais ne sont pas les travailleurs. Ne manque plus jamais au peuple Camerounais. Dis-moi que le Cameroun n'est pas développé sur la route. Mais ne me dis pas que les Camerounais ne sont pas travailleurs. Là, tu mens. Les Camerounais sont des travailleurs. Les Camerounais sont des chercheurs. Je vais te rappeler que le Camerounais, tous les immeubles que tu vois au Cameroun, sont les Camerounais qui ont conçu ça. Les Camerounais se battent. Ils se battent. Si on avait seulement nos autorités là, marchant ensemble avec nous, c'est que le Cameroun, c'est New York. C'est que le Cameroun, c'est New York. C'est que le Cameroun, c'est les États-Unis. Si les autorités laissaient les ouvertures à la diaspora, c'est qu'il n'y a pas d'eux en Afrique. Donc ferme ta gueule. Ne viens plus mentir jamais sur le nom des Camerounais. Moi, j'étais en Guinée équatoriale. Le jour qu'il n'y a pas le piment au marché, c'est que le Camerounais n'a pas le niveau de piment. D'accord? Le jour qu'il n'y a pas le piment au marché, c'est que le Camerounais n'a pas le niveau de piment. Le jour qu'il n'y a pas les oignons au marché, c'est que le Camerounais n'a pas livré. C'est que le Camerounais n'a pas. C'est qu'il n'y a pas les pureurs d'oignons qui sont arrivés en Guinée équatoriale. Quand les Camerounais ne mangent pas, quand il n'y a pas la nourriture au Cameroun, les Guinéens ne mangent pas. Ils ont le macabo, ils ont les tubercules là. Oui, ils ont le macabo, le plantain. Mais, les choses comme le piment, les tomates, ça vient du Cameroun. Et pareil au Gabon. Quand le Cameroun, les bateaux de nourriture ne viennent pas au Gabon, les Gabonais ne mangent pas. Les Camerounais nourrissent beaucoup de pays. Tu as compris?
Les Camerounais venaient contenir le piment, les oignons, les saisies, là, c'est ça, ça vient du Cameroun. Même jusqu'au Congo-Brazzaville, c'est le Cameroun. Même au Gabon, c'est le Cameroun. Centrafrique, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui nourrit tous ces pays-là. Et tu viens me dire que les Camerounais sont des paresseux. Tu viens manquer le respect aux Camerounais dans les réseaux sociaux. Menteuse que tu sois. Les Camerounais travaillent. Les Camerounais travaillent la terre. Les Camerounais sont des bosseurs. Tu as compris? Il faut arrêter de venir manger sur les Camerounais. Ce matin, les sensibles sur une néo. Tu sors de ces néo, tu vas nous dire que non, j'avais un boulet. Qui n'a pas les espoirs où? Les Camerounais sont dans les schémas. La vie est due au pays, ils sont bien de mettre, ils sont bien de créer les schémas tous les jours pour s'en sortir. Tu es mourir, ils te bouffent. Toi-même, quand tu veux en Europe, tu as pris l'argent là-haut. L'argent que tu as pris pour aller investir au Cameroun, tu as volé. Toi-même, tu as fait un blanc ici, là. Toi-même, tu as fait les watch, tu as peut-être pris le crédit pour aller faire avec. Donc, si on te vole, si on te fait un peu le problème. Les Camerounais. Quand tu pars en Guinée équatoriale, tu peux marcher. C'est made in Cameroun. Tu dis que made in Cameroun, tomate, made in Cameroun, oignon, made in Cameroun, l'ail, made in Cameroun, le couscous, made in Cameroun, maïs, made in Cameroun, tout, made in Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Congo, Brazzaville, Centrafrique, Tchad, c'est le Cameroun. Nous nourrissons beaucoup de pays d'Afrique centrale, de pays en Afrique centrale. Tu viens t'asseoir, tu dis carrément que les Camerounais sont les paresseux. Les Camerounais sont des travailleurs. Même ici en diaspora, les Camerounais travaillent en Europe. Les Camerounais, c'est des bosseuses. C'est que depuis qu'on est venu en diaspora, on a refusé de valoriser la femme camerounaise. On a plus mis le piment devant. Même ici en diaspora, va au Château Rouge, tu vas voir les femmes camerounaises. Ne dis plus jamais ça. Va au Château Rouge, tu vois les mamans camerounaises de 50 ans, de 60 ans qui vendent des prunes à la main. Elles font comme les bains là au Cameroun. Va, tu vois tous les magasins qui sont au château où sont les Camerounaises. Tu vas compter peu des magasins des Ivoiriens et des autres. Ce sont les Camerounais qui ont pour le pouvoir au château rouge. Les mamans sont dans les rues, vendent. Elles se battent, même en diaspora. Les Camerounais sont les personnes âgées. Les aides soignants sont nombreuses comme ça. On vous a seulement donné l'image des Camerounais parce qu'ils sont arrivés dans les clashs. On vous a fait comprendre que les Camerounais sont les vendeurs de piments. C'est faux. S'il y a 100 Camerounais en Europe, 100 femmes Camerounaises, je dis que 99 sont les femmes qui travaillent normal. Le reste, là, sont les pimentières. Et il y a les pimentières partout. Les Ivoiriens vendent le piment. Les Togolais vendent le piment. Les Sénégalais vendent le piment. Elles toutes vendent le piment. Mais c'est pas que nous, on a donné notre image de femme camerounaise qui n'est pas vraie. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de laisser aller les Camerounais. Nous, on parle des noms. Il faut en tout prix que le gouvernement essaie de voir le problème de l'électricité au Cameroun. C'est trop. Les Camerounais vivent pas déjà bien. La vie est déjà chère. Si c'est pour encore perdre les choses dans leur congélateur tous les jours, ça ne vaut pas la peine. Il est temps que le gouvernement essaie de voir le problème des néos. Je n'ai rien contre le gouvernement. Parce que moi, je suis biadiste, je suis pas Paul. Tout le monde sait ça, je ne me cache pas. Mais il faut que le gouvernement essaie de voir le problème de l'électricité au Cameroun. Ce n'est pas tout le monde qui a l'accès au groupe électrogène. Les anciens Benguetaires, là, vous voulez parler quoi? Le Cameroun n'a pas là pour acheter le groupe électrogène. Ils ont d'abord de quoi vu le cimite au Cameroun, c'est 30 000. 35 000 francs le cimite. Imagine que quelqu'un travaille pour 35 000. S'il est en location, il paye sa chambre à combien? Il paye la chambre à 10 000. Il mange combien? Il prend le transport pour le travail. Il va rester avec combien pour aller acheter un groupe électrogène? Ils n'ont pas ces moyens-là. Donc pensez à ceux-là qui n'ont pas les moyens d'avoir des groupes électrogènes comme vous. Le carburant est cher. La vie est très chère. Le bas peuple souffre. Donc parfois, tapez les doléances. Dites à vos gens là que pardon. Essayez de voir le problème de l'électricité. J'ai pissé des mamans là. Ce sont les mamans qui vendent le poisson. Une mère, l'autre jour, m'a appelé, elle m'a dit que ma fille même mourir, maman de mon quartier. Que ma fille, tout mon capital est tombé. J'ai dit quoi, maman? Elle dit que mon poisson est tout pourri dans le congélateur. Tout pourri. Moi, voici à Douala. Je suis en train de souffrir. Moi, voici au carrefour de Côte. Je suis en train de souffrir, ma fille. Aide-moi. La maman a pleuré comme un enfant. Elle dit, yeah, mon cœur m'a fait mal. C'est à cause de la main là que je sors. Même dans les hôpitaux, il y a l'obscurité. Vous imaginez que quelqu'un est dans une table d'opération. La personne, on dit qu'on coupe le courant. Imaginez la suite. Les mamans qui sont les enfants, ils sont dans les couveuses ou c'est couveuses. Tiens, si on dit qu'on coupe le courant, imaginez la suite. On veut parler. Oh, tu n'aimes pas le Cameroun. Oh, tu n'aimes pas. Vous aimez le Cameroun plus que qui? Moi, j'aime le Cameroun. Vous me dites que j'ai fait quoi au Cameroun? J'ai fait beaucoup. Même mon argent que j'envoie au Cameroun tous les jours, c'est à participer à l'aide au Cameroun. J'aide les Camerounais. Et je demande à tous les Camerounais de s'indigner, pas seulement, ne dites pas que les gens de la base, non, ne traite pas avec les gens de la base.
Nous sommes des partis civils. Nous, on ne traite pas avec les gens de la base. Ils ont leur mouvement là-bas. On ne traite pas avec les patriotes. Les Camerounais qui me suivent, ne serait-ce que même un petit commentaire. Que Enéo, pardon, pardon, aie pitié de nos mamans. Enéo, aie pitié de nos enfants. Enéo, aie pitié de ceux qui n'ont pas le groupe électrogène. Nous souffrons, Enéo. Pitié pour nous. Ça n'a rien à voir avec un machin. Et que le gouvernement essaie de voir comment ils vont entrer, essayer d'améliorer le problème de Néo. J'ai fait 7 jours en Côte d'Ivoire, il n'y a même eu coupé le courant. Quand il permet que oh, elle soutient les Ivoiriens, moi quand quelque chose est bien, j'ai bien. Les Camerounais, arrêtez d'être des suiveurs. Et nous, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Si vous n'êtes pas à la hauteur, sortez, libérez. Je ne sais pas comment on va faire. Essayez de donner la société à quelqu'un d'autre. Nous sommes là pour ça. Je ne parle plus des sans caleçon. Et nous ne voulons plus. Et je demande aux artistes camerounaises de s'indigner. Je refuse qu'on vous boycotte. Quand vous êtes venu parler, parlez aussi pour les femmes, les enfants, les mamans qui souffrent tous les jours. Les femmes, vous n'avez pas, je demande des nouveaux artistes là. Vous ne pouvez pas créer les associations. Vous ne voulez pas la reine galloise. J'espère que notre maman de la nation, cette fois-ci, va inviter la reine galloise à étudier. Machin, notre mère, notre fille, pense à la reine galloise, maman. Voilà notre soeur, la reine galloise, qui travaille. Et à ce moment-là, à Bafoussam, elle aide les personnes, les enfants différents. Elle leur donne le sourire. Elle leur donne à manger. Elle leur donne l'attraction. Voilà les personnes que nous aimons voir à étudier. Venez te tendre la main et de discuter avec toi. Elles peuvent te porter, elles peuvent te présenter un projet. Nous allons vous soulever. Parce que tu es humanitaire. Tu es dans le social. En tout, toi, les femmes qui sont dans le social comme toi, ne prends plus les Walla Wallas là. Les Walla Wallas que la vie a dépassé, elles sont passées, elles sont pas se réfugier au Cameroun. Elle dit que nous, la vie nous a dépassé. Nous sommes en Europe. Hein. Je n'ai pas été célibataire, demain, je deviens marié. Nous sommes fatigués. Voilà la reine Galop qui a elle a besoin d'aide de soutien. Dénonçons. Vous, les artistes, vous ne pouvez pas créer les ONG. Vous voyez pas que tous les artistes en Europe ont les ONG. Madonna a une ONG. Rihanna, elle est dans l'ONU. Et Beyoncé, elles sont dans les œuvres caritatives. Tous ces artistes-là. Mais pour vous, là, vous faites quoi? Quand vous vous levez un matin, vous venez blaser les Camerounais, vous partez dans les orphelins. Arrêtez d'aller dans les orphelins, là. Hein. Arrêtez d'aller vous amuser avec les orphelins. Les orphelins sont les humains comme vous. Moi, je suis une orpheline. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la douleur d'un enfant qui a perdu son père et sa mère. Vous ne connaissez pas l'injustice que ces enfants subissent tous les jours. Ne vous levez pas un matin quand vous voulez faire le matu vu. Vous partez, vous prenez les orphelinats, vous restez 10 sacs de riz, vous déposez les tines d'huile, et ils vont aller à l'école comment? Quand ils vont finir de manger les sacs de riz avec les macabres que vous allez amener et les sacs d'huile là, ils vont aller à l'école comment? Ils vont boire de l'eau comment? Il n'y a pas de forage, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ils vont vivre comment dans le noir? Quand vous partez dans les orphelinats, là, pour aller leur donner les sacs de riz, vous filmez, vous les mettez en Facebook. Il faut un suivi. Et alors créer les ONG, comme ma fille Flora Nana. C'est une Centrafricaine. Elle a une ONG aux côtés du Centrafrique. Où elle milite pour les enfants en difficulté. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Maman, je vais prendre le nom des artistes. Laisse un peu le nom de Lady Pond. On a déjà parlé de Lady Pond dès le début. Je n'aime pas les Camerounais qui sont dans le suivisme. Faut pas faire en sorte que demain on va venir dire que c'est Lady Pond qui m'a envoyé. Vous êtes toujours comme ça. Laisse son nom. Faut pas que demain d'autres artistes viennent dire que c'est Lady Pond qui m'a envoyé de venir parler. Laisse son nom. J'ai déjà parlé au début que Lady Pond fait beaucoup. On s'est passé sur elle. Laisse son nom. Nous sommes pas là pour diser les artistes camerounais. Nous sommes pas là pour dire que l'autre est mieux que l'autre. Nous sommes là pour attirer l'attention de toutes. Et prendre un exemple parmi elles en passant. Elle leur dit que voilà comment l'autre fait. Essayez de faire pour les autres. Ne venez plus ici là. Lolo offre 10 forages à l'ouest. Je parle aux filles de 10 forages au sud. Pourquoi je dois aller aux filles 10 forages à l'ouest? Pourquoi tu parles de l'ouest? Je te bloque. Ciao. Au revoir. Offre, je dois aux filles 10 forages à l'ouest. Alors que les caisses d'État camerounais sont pleines pour offrir les forages. Donc moi, je suis venu travailler pour le Cameroun ici. Regardez-moi celle-là. C'est Kamto qui m'a envoyé. Comme c'est Kamto, moi je suis Kamto. On t'a jamais dit. Oui, c'est Kamto qui m'a envoyé. Viens m'arrêter. C'est Kamto qui t'a envoyé. Voilà les Camerounais qui n'aiment pas le Cameroun. Voilà les Camerounais, les ennemis du Cameroun, les voilà. Les gens qui veulent détruire le pays là. Les gens qui font semblant d'aimer le président de la République. C'est vous là. C'est vous que le président de la République donne l'argent. Il donne les budgets.
d'aller construire les routes. Il donnait les budgets d'aller construire les écoles. Il donnait les budgets d'aller faire des choses dans les villages. Vous avez volé son argent. Vous avez volé du Cameroun. Et maintenant, c'est à lui que tout le monde s'en prend. C'est vous là. C'est toi qui es en train de commenter. C'est vous qui avez sali l'image du président de la République. Il vous a toujours donné d'aller faire des choses. Vous avez mangé. Et maintenant, quand on me parle, je dis que c'est Kamto qui m'envoie. Oui, c'est Kamto qui m'envoie. Ce n'est pas un Camerounais. Et c'est Kamto, n'est pas Camerounais. C'est Kamto. C'est lui qui m'a envoyé. Tu as compris? C'est lui qui m'a envoyé. Ça ne chauffe pas. C'est vous. Voilà les gens là. Voilà les détracteurs de Papol. C'est vous qui faites aujourd'hui que Papol vient en Europe. Au lieu de se reposer tranquillement, il est pourchassé par les gars de là-bas. C'est les vous là. Il vous a fait confiance. Vous l'avez trahi. C'est vous. Parce que c'est donc un grand cœur. Il n'avait pas le courant, il n'avait pas le cœur de vous faire du mal, de vous enfermer, de couper vos bangalas, de couper vos pieds, de vous envoyer en Koutama. Il n'avait pas le cœur là. C'est à cause de ça. Vous avez joué de sa gentillesse. Vous vous êtes foutu de sa gentillesse pour mettre ce pays là dans la merde. C'est les gens comme vous qui viennent commenter. C'est vous là. Nous avons vu à la télé, on a montré une école. Quand on dit que l'école est construite depuis 2000, mais l'école est toujours en calabote. Et on avait mis la carte du Cameroun, l'école est déjà construite. Parce qu'il y avait l'argent qu'on avait décaissé pour cette école-là. C'est toi qui avais volé là. Toi, le gars qui est venu commenter là, c'est toi qui avais volé l'argent de l'école là. C'est toi qui avais eu ce budget. Tu es parti, tu as volé, tu es parti avec construit la maison dans ton village. C'est toi. C'est toi. Parce qu'on a déjà vu ça à la télévision camerounaise. Qu'une école. Dans les papiers, l'école est déjà conçue, les enfants vont déjà à l'école bien. Par rapport, on avait déjà donné l'argent, on avait décaissé l'argent pour ce budget-là. C'est toi qui avais volé l'argent là. C'est toi qui avais volé ça. C'est à cause de que tu veux nous museler. Tu veux nous faire. Tu veux qu'on ne parle pas. Qu'on doit rester comme les. Jamais. Quand on veut parler, tu dis que Kamto. Tu veux faire peur au Camerounais. Maman, ce n'est pas Kamto. Que arrive à arrête-moi. Tu as compris? C'est toi qui avais volé l'argent là. C'est vous qui avez volé l'argent, quand vous voulez que maintenant construire les routes, vous détournez l'argent, vous fuyez, vous partagez l'argent. C'est toi, vous êtes parmi ces gens-là. Bande des voleurs. Bande des voleurs. Ouh, des voleurs. On va vous traquer, on ne vous laisse plus, on va parler, ça va arriver là-bas. Si papa ne voit même pas son épouse, elle va vous mettre en gâta. Vous exagérez. Vous êtes des voleurs. Et Néo, nous sommes fatigués de toi. Isaac, en fait, ton travail, il y a toute la poubelle au Cameroun, le Cameroun sang. Quand tu arrives à l'aéroport, l'odeur t'accueille à l'aéroport. Les poubelles de partout. On vit avec les poubelles, on vit avec la saleté. Isaac, en fait ton travail, tu ne peux pas faire ton travail. Tu quittes. On va que vous parler, vous allez nous tuer. C'est quoi? On parle, c'est Kamto qui t'a envoyé. Kamto n'est pas un opposant. Il n'est pas un Camerounais. Il n'a pas un parti, il n'a pas un parti politique. Il n'a pas les membres de ce parti politique. Tu m'as vu un jour avec la carte de Kamto. Hein? Et même s'il y avait la carte, on peut mettre où? Même s'il y avait la carte de Kamto, ton premier, je ne suis pas Camerounais, j'ai le droit d'avoir une carte. Je vais voter. En 2025, je vote. Oh, tu as compris? Je vais voter. Pas te pendre. Bande des voleurs, des mendiants. Vous faites semblant de défendre le président de la République. Vous faites semblant de l'aimer. Vous faites semblant d'être avec lui. Par d'ailleurs, on vous donne les enveloppes. On vous donne les petits. Mais quand on ne vous donne pas, vous retournez la veste. On vous voit venir pleurer les pleurs du bonnet sur Facebook. Vous n'avez pas encore pleuré. Les pleurs du bonnet, mon frère. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Quand c'est mauvais. Parce que quand vous venez, tu vois, on ne donne plus rien. À étudiant, on ne donne plus. Les portes sont fermées. Les caisses d'État sont fermées. Il n'y a plus 5 francs. C'est là les jeux, les gardiens, sur les ministres. Nous devons aller écarter sur les canapés. 5 francs, on ne vous donne plus. C'est terminé. L'argent là, c'est pour nous. C'est pour le peuple camerounais. Le peuple qui reste là. Nous allons réaliser des choses avec ça. Nous allons construire les routes, parce que le Cameroun est en train de construire encore les routes. Là, j'ai vu ça dans une page, là, on dit que les Camerounais, le Cameroun en plein chantier, ça me plaît. Oui, mais vous n'auriez plus rien, c'est terminé. Hein? Le taux de, hein, la première cause de mortalité au Cameroun, c'est Néo. Nous sommes fatigués, bande de mendiants. Regarde-moi, quelqu'un dit qu'il aime son pays. Hein? C'est Kamto qui t'a envoyé, parce que c'est mon frère du village. Ah, parce qu'il est bamlékain. Ah, je ne sais pas que quand une bamlékain ne peut pas aimer Paul Biya. Oh, vraiment. Voilà le raisonnement des gens qui vivent en Europe. Voilà le raisonnement des Camerounais qui vivent en Europe. Tu vis en Belgique, tu as ce genre de raisonnement. Tu as ce genre de raisonnement. Ils sont là, ils font semblant d'aimer le pays. Ils volent là, on leur donne les prisons, ils ne veulent pas te construire les maisons. Des affamés. Vous êtes des affamés. N'est-ce pas qu'on t'avait amené à la canne, tu as bénéficié de quoi?
Le bien avant les 4 000 euros, c'est bénéficié là-bas. J'ai pu quoi? C'est quoi, donné là, ça disparaît dans la mer par rapport à ce qu'ils volent tous les jours au Cameroun. Et que ça la terre, même le grain de sable dans la mer, ça ne traîne pas. C'est pour les coupons aller boire au restaurant. C'est quoi, nous avons acheté les c'est pour aller boire au restaurant. On ne peut pas parler parce que les imbéciles, les énigmes, les têtes percées, veulent finir quand la vie vous a dépassé en Europe, vous êtes devenus les politiciens. Les gardes, les patriotes, nous sommes devenus les patriotes pour soutenir le président de la République. Vous étiez où depuis? Et maman, vous êtes devenus patriotes dans 2 jours. On est patriote. On ne devient pas patriote à cause du ventre. Moi, je suis une patriote. Je n'appartiens à aucun clan. Mais j'aime mon président, j'aime sa personne. Mais je ne vais pas rester la bouche fermée. Mais c'est à cause des gens qu'on vous les a affamés que cet homme-là, il est traîné dans la boue. On ne respecte même pas sa retraite, on ne respecte même pas son âge à cause des mendiants qu'il a donné de l'argent. On dit que l'école s'était conçue sur la carte du Cameroun. Lui-même a tout dit. Il sait que l'école est déjà conçue alors qu'il a donné l'argent à un voleur. Un voleur qui a pu la fuir les pays qu'on dit dans le village. Maintenant qu'on vient parler, c'est Kanto qui t'a envoyé, c'est Kanto qui m'a envoyé dans Pian. Va te pendre. Ça ne choque pas. Tu as compris? Attends-moi la réponse de Douala. Ou attends-moi la réponse de Simalé. Tous les gens t'attendent à l'aéroport. Tous les gens t'attendent à l'aéroport. Vous allez rendre les gens opposants. C'est vous là. À cause de vos sales langages, vous allez rendre les gens opposants. Vous allez multiplier les opposants dans la vie. À cause de votre langage. Quelqu'un n'a même pas ces intentions là. Mais le fait de venir parler comme vous là, ça peut faire mon cerveau. Mais je deviens une autre personne. Tu vas rien me faire. Ça ne choque pas. J'ai fait 6 ans sans le Cameroun, sans papier. Ça ne m'a pas manqué. Tu as compris? J'ai fait 6 ans en Bengsa au Cameroun. Je n'avais pas le Kaolo, ça ne va pas manquer. Tu as compris? Je peux rester là. Et comme je connais la route de la Côte d'Ivoire, là, mon frère, Abidjan est doux. Oui, je vais rester à Abidjan. Je m'en vais même au Gabon. J'ai ma famille au Gabon. Ça ne choque pas, c'est l'Afrique. Et c'est moins de dépenses. Car il a une dépense, pas beaucoup. Donc il faut arrêter. Nous parlons à nos autorités qu'il faut essayer de voir le problème des Néo. De payer les enseignants. Ils n'ont pas de salaire. De voir le problème des routes. Et de suivre. Quand vous donnez le budget à ces voleurs-là, il faut surveiller, il faut veiller en sorte que le travail se passe bien. Ne leur laissez plus la totalité, la totale responsabilité. Après, ils vont détourner tout cet argent-là. C'est que nous devons que le Cameroun doit changer. Que nos mamans doivent bien vivre. Parce qu'elles se battent tous les jours. Je ne sais pas comment un Camerounais qui voit sa mère souffrir. La mère, ce n'est pas seulement celle qui t'accouche. La mère, il faut la main. La femme, c'est la mère de l'humanité. Comment pouvez-vous avoir le courage de venir me dire que si elle dit qu'on doit arranger le courant, qu'on doit avoir le problème de Néo Cameroun, que c'est Kanto qui m'a envoyé. Mais Seigneur, où va le monde? Comment les gens comme ça, franchement, je pense que vous, il y a un monde de Sodome et Gomorrhe ici là. Comment les gens peuvent encore avoir cette moralité là, cette mentalité? Comment tu peux pas te soucier des femmes qui souffrent, des mamans qui meurent? Des enfants qui meurent dans les hôpitaux tous les jours. Moi, tu ne peux pas te soucier de. Je suis parenté avec ces gens-là. Hein? Tu n'as pas honte? Et quand je parle, je me dis que le. Va. Maman, si elle lance maintenant la carrière de l'Omania. Opération 5 forages à l'ouest du Cameroun. Vous allez me dire que c'est parce qu'elle est bamniquée. Je peux vous dire que la bonne charité commence par soi-même. Hein? Si elle dit qu'elle est le Lomaya, c'est un forage au sud, ça va se faire. Ça va se faire. Mais si elle dit que c'est un forage au sud, qu'elle va aller construire les forages là, le maire va me demander l'argent pour me dire qu'elle donne l'argent pour continuer à mettre le forage. Ils ne vont pas me donner les terrains gratuits. Ils ne vont pas me donner les terrains gratuits, il y aura le tchoko. Nous voulons bien. Mais qu'est-ce qui nous encourage? Quand nous, les vrais patriotes, nous voulons travailler. Des énergumènes, des égarés, des femmes sans diplôme, sans éducation, qui n'ont que l'éducation, le sperme et la capote. Le Kwetu et le Bangala viennent nous interdire le Cameroun. Viennent nous dire que non, tu parles fort dans même pourquoi, parce qu'elle a des relations avec Issou ou avec Iguet. Alors que nous, à travers notre voix, nous pouvons sensibiliser. Nous pouvons réunir les Camerounais pour des projets comme des forages. Pour des projets, même construire les écoles. La diaspora peut aider à travers nous. Mais on peut plus dire quelque chose. Oh non, t'attends au Cameroun. C'est votre pays. Le Cameroun a 10 provinces. Dans les 10 provinces, c'est pour ton père.
Même Papo n'a jamais interdit un Camerounais au Cameroun. Seulement ceux qui sont dans la haute politique. Mais vous là, les yéyés, qui n'ont pas connu le vrai Papo, le vrai RDPC. Les vraies femmes d'État. Les vraies femmes, les vraies femmes. Les vraies patrons pour les mamans Fonny. Vous venez yéyés. Vous avez entendu Mme Fonny dire qu'elle interdit un Cameroun, le Cameroun. C'est qu'elle s'occupait de son champion. Le reste, elle ne gérait pas. On vous demande, vous voulez tromper les Camerounais. Et Néo, nous voulons le courant. Nous voulons le courant H24. Qu'il n'ait plus coupé de courant au Cameroun. Ça n'est pas arrivé. Comme avant, il y avait le courant, mais il y avait parfois les coupures. Mais là, c'est de trop. Vous exagérez. Nous n'en pouvons plus de voir nos mères souffrir. Parfois, il y a même un jeune garçon qui est mort. Parce que quand il y avait une coupure de courant, c'était, il pleuvait ces jours-là. Il allait pour aller brancher la coupure de courant, brancher le groupe électrogène. Il s'est là frappé, il est mort. Beaucoup de gens meurent comme ça. Les Bensikinés souffrent. Le carburant est cher. Les Bensikinés sont devenus les braqueurs. Les Bensikinés sont devenus les voleurs. Quand tu prends le Bensikiné au Cameroun, maintenant tu as peur. Fleur de Lys, c'est ma soeur, maman. Oui, Fleur de Lys, c'est ma soeur. Fleur de Lys avait dit que si elle me vante, elle t'a dit que quoi que je suis tribaliste, j'accepte que je suis tribaliste, maman. Toi-même, tu es tribaliste pour masse. S'il faut parler au nom des Camerounais, je suis tribaliste pour masse. Tu as mal pourquoi? Tu fais comme moi, non? Tu t'appelles Carole Mundiki, dont tu n'es pas Bamileke, dont tu n'aimes pas les Bamileke. Comment moi je vais t'aimer? Toi-même, tu es une tribaliste. Je suis tribaliste pour masse. Tu sais pas ça? Tribaliste, ce n'est même plus bon. Tu vois, le mot l'a fait pas encore quelqu'un. J'ai mis le titre de Jérémy Ndita sur ma page. Vous avez dit que oh, c'est passé Jérémy Ndita et Bamileke, que c'est mon frère. Mais comment? Il est mon frère, non? C'est un Camerounais. Il est Camerounais, c'est mon frère. Vous voulez qu'il soit le frère de qui? Non, il est ton frère parce qu'il est de l'Ouest. Ah bon? Mais s'il est de l'Ouest, c'est tout mon frère. Pourquoi que le mot que vous dites que vous-même vous êtes tribaliste pro-masse? Quand tu dis que quand un Bamileke c'est jamais président, tu dis ça pourquoi? Parce que tu es tribaliste. Mais là, tu dis que Fleur, c'est ma soeur. Tu as compris? Elle avait raison, c'est ma soeur. Tu l'aimes trop. Quand vous l'avez arrêté là-bas à Yaoundé, là, vous la mettez que elle est insolente. Tu ne connaissais pas que tu n'avais pas plaidé pour elle. C'est pas vous qui criez ça que non, il faut qu'elle parte à Koudengi. Quand ça vous arrange, je suis tribaliste pro-masse. Regarde-moi bien dans les yeux, ça ne choque pas. Et va aller au Cameroun, c'est pas votre pays. Et personne ne va me toucher. Il dit personne ne va me toucher. Il dit que personne ne va me toucher. Vos petits mots de Yaoundé là, arrêtez ça devant vos sales portes de misérables là. Les gens qui boivent, qui mangent la terre tous les jours. Je mange bien. Je dors bien. Je mange 3 fois par jour, même 10 fois par jour, je mange. Quand elle fait ma vie, si tu veux faire les alpes, quand on fait, commence à manger devant toi et soit, elle va me dire que, personne ne va m'arrêter. Regardez-moi celle-là. La misère a rendu son visage dur comme puis l'arrière-grand-mère. Une fille qui a 20 ans, mais son visage est déjà dur, comme une ancienne voyou au temps de Ougnobé. Que les clients ont refusé, qu'elle est restée, elle est troncanda. Elle me dit que je suis tribaliste en pliant. Vous tous là, vous êtes tribalistes. Oui, ça ne choque pas. J'ai demandé qu'il faut que Néo et demande à nos artistes. Comme j'ai entendu vos voix, j'aimerais encore entendre vos voix plus sur autre chose. Sur la vie chère, sur le problème de Néo, sur le salaire des enseignants, sur beaucoup de choses. Parce que vous êtes la voix des sans voix. Vous avez compris? Sinon, nous n'allons pas vous boycotter. On ne va pas vous dire que vous ne venez pas chanter. Tout le monde va chanter. Je demande aux gens de la base de laisser tout le monde chanter. Mais il n'y aura plus de farotage. C'est ça qui est ça. Ceux qui font qui sensibilisent là, nous allons leur faroter. Vous là, vous allez chanter. Vos bouches vont sécher sur le micro. Même les voix ne vont plus sortir. Même un héros, vous n'aurez rien. On ne vous demande pas d'être contre, tu sais. Si on me dit, si on me met, j'allais voter mon père, qui ignore. Mais je ne donne pas le lait, mais je dis ce qui est vrai. Une idiote, vous êtes des bandes de tribalistes. Quand on parle, ça vous fait mal. Tu entends un Camerounais qu'on dit qu'il y a le coupure de quoi? Elle dit au Cameroun,
Vous êtes zombifié, mon frère. Oh putain. Je dis que hein, quand vous dites que je suis Paul Biya, quand moi je suis Biya, les gens de la base vont me tuer. Voilà, voilà le vrai problème du Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Regardez-vous les commentaires des Camerounais. Quelqu'un vit au Cameroun dans les lobbies. On chie. C'est-à-dire que dans leur maison, il n'y a pas le cabinet. Il n'y a pas le WC. Voilà les Camerounais qui parlent. Je vous dis hein, que le vrai problème, maman, je vous donne les conseils, vous les activistes là. Quand vous voulez qu'il y ait le changement au Cameroun, même après pas Paul, tant que les Camerounais ont cette mentalité là, il n'y aura jamais changement dans ce pays là. Parce que celui qui va venir faire en sorte que ça doit un peu changer, c'est là où vous allez voir, c'est là où vous allez le voir dans les rues pour aller marcher. C'est là où vous allez voir, vous allez le voir aller brûler les maisons, brûler les voitures. C'est en ce moment là. Parce que celui qui va venir faire l'erreur, devenir faire qu'on soit mettre l'œil sur les petits marous qu'ils font là. Ou ils vont venir mettre l'œil sur le choco. Ils vont devenir dangereux, violents. Ils aiment le mal. Ils aiment la, ils aiment ça. Ce n'est pas, quand tu lis même les commentaires du Cameroun, comment une fille qui vit dans les lobbies, que quand il pleut, elle arrête que son matelas à la tête. Et quand elle garde les caca toute la semaine, elle attend chier quand il pleut. Parce qu'il n'y a pas les vaisseaux à la maison. On a mis le contreplaqué ou le plat, ou la tôle. C'est quand il pleut qu'elle n'a pas vidé son ventre. Elle vient te dire que tu es tribalé parce que tu plaides pour qu'on voit la situation de Néo Cameroun. Elle t'en veut. Elle t'insulte que tu es tribaliste, que c'est Kamto qui t'a envoyé. Le problème à quel niveau? De vous à moi. Vous ne pouvez pas créer un problème. Il faut un éveil de conscience aux Camerounais. Vous ne pouvez pas qu'il y ait un problème dans le cerveau des Camerounais. Vous croyez que quelqu'un normal, quand vous voyez les Français s'élever, c'est la fin. Quand vous voyez les Français s'élever pour dire que non, nous avons vu les agriculteurs. Les agriculteurs ont dit que non, on ne suis pas avec vous. On bloque tous les grands axes là. Macron a dit que pardon, pardon, venons en cause. Pardon, pardon, venons en cause. Donc, moi, cette année, moi, je vais voter. Je vais voter cette année. Le vote là, je vais aller voter. Dans les Camerounais là, ne venez pas dire de même que hold up électoral. Parce que les votes c'est en 2025. Les votes c'est en 2025. Ne venez pas dire de même que hold up électoral. Allez vous inscrire dans les listes électorales là. Allez vous inscrire. Ne venez pas faire que vous n'avez jamais voté au Cameroun. Vous allez dire que non, on a triché. Alors que tu n'as pas toi-même voté. Allez, allons voter. Moi, je suis Camerounais, je vote. L'éveil de conscience, merci Françoise Elvire. L'éveil de conscience s'impose. Cher frère, toi qui viens de faire le commentaire pour dire que Papa Paul a échoué. Je te dis encore que moi, je n'ai pas eu le bac plus 5 comme toi. Mais j'ai une sagesse que tu n'as pas. La sagesse que Dieu m'a donnée, peut-être qu'il ne t'a pas donné ça. Et le blanc t'a donné l'intelligence que tu as étudié, tu es intellectuel. Mais moi, la sagesse que Dieu m'a donnée, peut-être t'as pas donné ça. Peut-être tu n'as pas compris ce que je vais dire. Je suis en train de te dire que le Camerounais, je suis pas Paul, pourquoi? Parce que le Camerounais, dans sa tête, ne veut pas encore sortir, ne veut pas s'éloigner du tribalisme. Le Cameroun ne veut pas être ensemble pour que les choses changent. Le Camerounais veut toujours dire que non, c'est pas lui, tu es babiléqué, machin, machin. Ce n'est pas lui. Le Camerounais est toujours contre celui qui dénonce. Le Camerounais est toujours contre celui qui dénonce. Le Camerounais n'accepte pas celui qui dénonce. Alors je te dis que parce qu'ils sont dans une magouille, ils sont dans un réseau. Tant que même le jour que Papa Paul ne sera pas là, le prochain président, c'est lui qui aura plus de problèmes que Papa Paul. Tu veux que je t'explique pourquoi? Tu veux que je t'explique pourquoi le prochain président aura plus de problèmes que Papa Paul? Le prochain président, c'est celui. Quand on va dire que les Camerounais vont se lever pour sortir, aller dans les rues là, ça sera avec le prochain président. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le prochain président va vouloir faire trop bien. Il va vouloir, bon, même qu'il soit du RDPC, il soit du MSC, il soit de je ne sais pas d'où. Il va vouloir arranger Néo, il va vouloir arranger les roues, il va vouloir visser les tchokos, il va vouloir dire que non, les policiers ne tchokos plus, il n'y a plus de tchokos. Il va vouloir tout visser. Les Camerounais vont se lever contre lui. Parce que les Camerounais, ils aiment le faux. Ils aiment le faux. Ils vont se lever contre lui. Il sera les ennemis du Cameroun. Vous, les Camerounais de la diaspora, vous parlez parce que vous avez déjà l'éveil de conscience.
Vous avez accompli beaucoup de choses, vous avez voyagé. Mais ceux du Cameroun là, ils ne sont pas comme ça. Ceux du Cameroun là, ils ne sont pas comme ça. Ils sont tellement malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Ils vont refuser. Nous sommes là, non, que Dieu nous prête longue vie. Vous venez me dire que Lolo, tu avais dit la vérité. Vous venez me dire ici là que Lolo, tu avais dit la vérité. Vous savez pourquoi les Camerounais aiment pas Paul? Parce que Papa Paul ne regarde pas ce qu'ils font. Hein. Quand Papa Paul donne 10 millions, il dit qu'il va construire la route. Quand tu ne construis pas, il ne sait même plus si tu as construit, tu n'as pas construit. Ou quand tu n'as pas construit, il dit que ouais, je vais l'envoyer en prison. Quelqu'un vient supplier là-bas, il dit que ouais, laisse pardon, il laisse aussi. Mais le prochain président n'aura pas envie de faire comme Papa Paul. C'est là où les Camerounais vont commencer la guerre avec lui. Nous sommes dans Facebook, nous sommes là, que Dieu nous prenne longue vie. Nous sommes là. Nous sommes là et vous allez voir. Ouais, Seigneur, nous sommes là. Nous négocions. Nous négocions. Vous allez voir. Vous allez confirmer que les Camerounais, ils aiment le choco. Ils aiment le faux. Ils aiment le faux. Vous rendez compte que vous même l'eau. Il faut d'abord changer la mentalité des Camerounais. Je vous dis que le prochain président du Cameroun, il aura du fil à retordre. Oh, aïe. Un chauffeur, on quitte l'agence. On va à Kribi. Ah, il va à l'agence, Emma. Ouais. On a déjà pris, le car est plein. Il n'y a plus de place dans le car. Il ne doit même pas s'arrêter. Il arrive en route, il s'arrête. Il prend le choco, il serre les gens dans le bus, alors que c'est interdit. Parce qu'il veut le choco. Tu arrives en route, tu vois un policier. Le policier sait bien que le gars, si lui, il est là, il est dans le banga, le feu sort. Il a jaune, le feu, il est bien, il est sous un point où ce n'est même plus bon. Il sait que ce n'est pas bon au volant. 5000 descend, il passe. Donc le nouveau président qui va venir là, pour changer l'affaire là, à mouf. Papa. Pour changer l'affaire là, Onagosofa. C'est là où tu vas voir les Camerounais tous les jours hein, sortis dans les rues pour dire que tu as que parti. Ça vous demande aux Camerounais tous les jours que sortez. Vous avez vu un Camerounais sortir? Non, ils sont bien dans leur jonglage. Ils sont bien dans leur jonglage. Hey, comment? C'est le moment, c'est le nouveau président là qui aura du fil à retour. Il va lire. Quand tu dis que quoi? Qui a pris le choco aux finances? Qui a pris le choco dans la route? Qui a pris le choco ici? Qui t'a envoyé? Tu es venu nous trouver dans notre schéma? Tu es venu changer les choses? Qui a plus quoi? Quand on ne vend plus le oiseau en route? Quand on ne va plus vendre le oiseau en route? Hein? On ne vend plus le oiseau? Quand on ne vend plus le pétrole en route? Merde! Attends, tu vas voir. Que quoi? C'est là où tu vas voir alors, hein, le vrai visage des Camerounais. Quand on essaye de dire aux Camerounais qu'il n'y aura plus les bains qui dans la route de Douala Yaoundé. Dans les villes de Douala Yaoundé. Vous allez lire. C'est là où les bains qui. Oh! Vous parlez de ceux que vous ne connaissez pas, les Camerounais, le nouveau président là, papa, prépare-toi. Je ne sais pas qui tu es, mais prépare-toi, parce que tu auras du fil à retordre. Les Camerounais aiment le faux. Le Camerounais aime le faux. Donc, commencez déjà par un éveil de conscience, de dire aux Camerounais que, quand Tata Lolo vient parler du Cameroun, mes chers frères, je ne viens pas parler du Cameroun en tant qu'une Bamileke. Je n'ai pas demandé de naître Bamileke. Je n'ai pas demandé un jour, je ne sais même pas où je viens. Je n'ai pas demandé d'être Camerounaise. C'est Dieu qui a choisi où je suis. C'est Dieu qui a choisi ma nationalité. C'est Dieu qui a choisi mon ethnie. Et j'en suis fier. Je suis fier d'être une Camerounaise. Et je suis fier encore plus d'être une Bamileke. Mais quand je vais vous parler, c'est avec beaucoup de peine. C'est-à-dire que j'ai tellement mal. Quand je vois les souffrances, j'ai dit je vais bloquer la page de Jumanto. Je ne peux plus, je n'en peux plus. Avant, je ne regardais pas cette page. Mais depuis que je regarde cette page, je me rends compte des souffrances des Camerounais. Je me rends compte que les Camerounais souffrent énormément. Et quand je viens vous parler, je vous parle en tant qu'une Camerounaise qui représente toutes les 10 provinces. Je ne vous parle pas en tant qu'une fille Bamileke, où j'ai un choix, que je veux que ce soit un Bamileke ou que ce soit Isnon. Je respecte le père de la police. J'ai beaucoup de respect pour cet homme parce qu'il travaille énormément.
Il travaille beaucoup. J'avais aussi beaucoup d'admiration pour Madame Cottès. Mais depuis qu'elle est devenue ministre, je ne vois pas vraiment trop son travail. Alors qu'elle était à Bangaté, elle travaillait beaucoup. Mais depuis qu'elle est ministre, elle ne travaille plus vraiment comme elle a fait dans l'Ouest à Bangaté. Je ne comprends pas. Je respecte beaucoup le père de la police, Papa Mbangangélé, parce que c'est un homme qui a beaucoup fait. Le taux de banditisme a diminué au Cameroun. Il y a les caméras de surveillance partout. Et les policiers ne s'amusent plus comme ils s'amusaient avant. Tu sens que ce monsieur-là, il est un vrai patriote. Il travaille pour sa patrie. Donc quand je vous parle, c'est parce que j'ai mal pour mon pays. Vous m'avez dit, certains parmi vous, oh, pourquoi tu compares le Cameroun à la Côte d'Ivoire? Si c'est la meilleure façon de faire en sorte pour bouger nos autorités à nous construire aussi des routes comme la Côte d'Ivoire, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. C'est, je dis encore merci à moi-même. Merci à moi-même parce que grâce à moi, grâce à mes sorties et à celles de Pifo et d'autres blogueurs, fiancés camerounais à Abidjan, les Ivoiriens même se sont rendus compte qu'ils ont un beau pays. Les Ivoiriens se sont rendus compte eux-mêmes que ils ont un beau pays. Parce que pour savoir la valeur de ton pays, c'est les étrangers qui doivent te le dire. C'est les étrangers qui doivent te vanter que, mon Dieu, j'étais au Rwanda, j'ai vu telle chose. J'étais au Cameroun, j'ai vu telle chose. Pour parler bien du Cameroun, c'est un Ivoirien qui doit parler bien du Cameroun. Parce que quand un Ivoirien n'est pas au Cameroun, il va regarder que, ah, je suis arrivé au Cameroun là-bas, il y avait des choses, hein. Il va commencer à faire la propagande du Cameroun. Donc moi là, c'est grâce aux influenceurs camerounais que les Ivoiriens sont rendus compte qu'ils ont un beau pays, qu'ils ont des belles routes. Qu'ils ont des belles routes. Et ils ont commencé à sortir les vidéos. Je suis sur la toile depuis. Je n'avais jamais vu une vidéo de la Côte d'Ivoire comme je vois aujourd'hui. Je n'avais jamais vu une vidéo de la Côte d'Ivoire, des routes de la Côte d'Ivoire, des infrastructures de la Côte d'Ivoire comme je vois aujourd'hui. Pourquoi les Ivoiriens se vantent aujourd'hui? Parce que nous avons apprécié leur pays. Donc maintenant, ils ont le courage de se vanter. Alors qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire en Afrique. Il y a le Nigeria. Il y a le Sénégal. Il y a le Bénin, d'après ce qu'on m'a dit. Mais je ne l'ai pas encore visité. Mais les Ivoiriens se sont rendus compte. Parce que nous avons apprécié. Nous ne sommes pas restés... nous avons pas été jaloux de parler... De parler de leur pays, de dire ce qu'on a vu de beau. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, ils se baladent partout, mais leurs vidéos, c'est partout dans les commentaires. Et le gouvernement ivoirien devait dire, remercier les influenceurs camerounais qui sont venus en Côte d'Ivoire. Pas seulement les influenceurs camerounais. Parce qu'il n'y a que les Camerounais qui ont bâti ce travail-là. C'est pour vous montrer à quel point le Camerounais, c'est un homme qui est humble. Les Camerounais sont gentils. Les Camerounais ne sont pas jaloux. Parfois, ça se passe entre nous. Mais le Camerounais sait apprécier la chose de l'autre. Mais c'est manque vous. Vous n'avez pas cette capacité d'apprécier chez nous. Vous n'avez pas cette capacité de dire que les Camerounais sont forts au ballon. Vous n'avez pas cette capacité de dire que les Camerounais sont les champions d'Afrique. Vous n'avez pas. C'est ce que je déplore chez l'homme ivoirien. Vous n'avez pas la capacité d'apprécier l'autre. Vous êtes un peu égoïste. Vous êtes un but de vos personnes. Alors que nous, les Camerounais, nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Nous avons comparé même notre pays à le vôtre. Nous avons essayé de nous avons dit des choses. Nous avons vanté vos routes. Nous avons publié les vidéos de vos infrastructures du pont. Parce que le Camerounais est comme ça. Mais chez vous êtes incapable de dire que les Camerounais jouent bien au football. Vous êtes incapable de dire que les Camerounais, c'est les champions d'Afrique. C'est un point champion d'Afrique. Vous êtes incapable d'apprécier aussi le peu que nous avons au Cameroun. Mais vous cherchez toujours à humilier. Bon, ce n'est pas grave. Les autorités ivoiriennes devaient vraiment remercier. Vous devez remercier les blogueurs, les influenceurs camerounais. Je dis bien camerounais. Pour le travail que nous avons abattu. Nous sommes venus pour la CAN, mais nous avons fait aussi le tourisme. Nous avons fait deux travaux à la fois. Il faut remercier ces comme nous, ces influenceurs. C'est important. Et je suis fier parce que nos sorties, ça a interpellé nos autorités. Ça a interpellé, ce n'est pas passé inaperçu. Nos autorités, le peuple camerounais, ce n'est pas passé inaperçu. Vous avez vu. Nous avons parlé.
Vous avez certains parmi vous avez été choqués, mais c'est la vérité qui blesse. Que la Côte d'Ivoire est plus bien conçue que le Cameroun. C'est la vérité, ce n'est pas le mensonge. Si c'est ça qui vous énerve, nous allons répéter ça pendant 1 milliard de fois. Et ça va faire en sorte que nous aussi, quand j'ai vu ça, je ne savais pas qu'il y avait des chantiers au Cameroun. Il y a des Camerounais qui m'ont fait voir les images des chantiers qui sont en vue au Cameroun, les chantiers, les routes. Je vais mettre ça sur ma page. Je suis contente. À cause de nous, vous êtes allés fouiller, vous êtes allés montrer, vous nous montrez au moins ce que vous faites, parce que nous, on ne voit pas. Et je vais partager ça sur ma page pour dire que voilà, c'est ce que nous voulons. En dehors de ça, il n'y a pas de problème. Et nous sommes contents. Oui. Vous dites que les Camerounais, vous croyez que les autorités camerounaises écoutent ce que vous dites là? Vous croyez que le Camerounais, les autorités camerounaises vous gèrent? Vous les niama niama de faire, on va arrêter Pifo. Pifo au Cameroun, personne l'a arrêté. On l'arrête pourquoi? Parce que même ils savent que ce que Pifo dit c'est la vérité. Et c'est même ils ne portent pas en Côte d'Ivoire. Ils vont en Côte d'Ivoire tous les jours. Ils ont caché, nous on a vu, on a dit. Ils ont caché, nous on a vu, on a dit. Ils ont dit, moi, on m'a montré les vidéos dans les chantiers. Quand il y a les chantiers de route, tu ne vois pas parce que tu ne fais pas le tourisme au Cameroun. Ma chérie, Gina, tu connais le Cameroun plus que moi. Je te pose la question. Il y a le chantier Ebolo Bakibi. Moi, je suis dans l'ironie. L'ironie. Tu es tellement bête que tu n'as pas compris. Je vais te bloquer. Je te bloque même pas. Tu connais le Cameroun mieux que moi. Tu es parti au nord. Moi, j'étais en Garoundéré. La seule blogueuse Cameroun qui est arrivée au Cameroun pour la première fois. Non, quand je suis arrivé, quand je vais sur le Cameroun, c'est moi qui ai montré tous les snack bars de Yaoundé. C'est moi qui ai montré tous les beaux snack bars de Yaoundé en direct Facebook. J'ai demandé que, mais, les blogueurs viennent souvent ici au Cameroun. Pourquoi ne nous montrent pas ça? Pourquoi ne nous montrent pas, on appelle ça comment encore? Le Famous. Pourquoi ne nous montrent pas le Famous? J'ai même fait une visite guidée du Famous. Je vais te mettre ça sur ma page. J'ai montré les chutes de la Lobé. J'ai montré l'ouest. Quand tu n'as pas vu, j'ai fait le tourisme qui n'est pas parti, pas avec ma caméra. À Douala, j'ai montré les endroits. À Yaoundé, j'ai montré les cafés. Je dis que, mais, quand les blogueurs viennent ici, elles nous montrent toujours les bars. Elles nous montrent toujours les bars. Je ne sais pas qu'il y avait des très beaux milieux au Cameroun comme ça. Je ne sais pas qu'il y avait des beaux milieux au Cameroun comme ça. Mais les fameuses, les endroits où je suis parti, je dis, mais dis donc, il y a des beaux coins au Cameroun. Mais quand je vois les blogueurs venir au Cameroun, je ne voyais jamais ça. C'est moi, Lolo. Je vais te relancer cette vidéo. Quand je pas au Cameroun, c'est moi, tu dis, bien, je monte. Et tu ne connais pas le Cameroun mieux que moi. Tu connais d'abord Kribi, mon village. Tu connais Banganté, mon village. Tu connais Douala, ma ville où j'ai fait ma jeunesse. Tu connais Yaoundé. Tu connais l'Est-Bétois. Tu connais Ngaoundéré. Tu connais Garoua. Tu connais Maroua. Tu connais Kousséri. Toi, tu connais où au Cameroun? Tu connais Bafoussam. Tu connais Bolova. Toi, tu connais où au Cameroun? Je connais Balmayo. Toi, tu connais où au Cameroun? Dégage. Anima, va te faire foutre, saleté. Regarde-moi, c'est la vie même au Cameroun. Avec ta tête comme un crabe. Voilà les villes que j'ai citées. Que je connais. Toi, tu connais où? Une petite pisseuse. Même t'as acheté une garniture, tu n'as pas. Voilà ce que tu utilises. Quand tu veux te nettoyer les fesses. Voilà ça. C'est ça que tu utilises. Tu déchires le drap. Le drap est devenu démi à la maison. Après, c'est de déchirer. Pour mettre en bas de. Tu vois que dans les garnitures. Hein? Chez moi, c'est en stock. Chez moi, là, c'est en stock. Je paie seulement l'eau de 10. Voilà les gens où je connais le Cameroun. Moi, je connais très bien le Cameroun. Je peux te dire que nous n'avons pas de route. Si c'est en chantier, c'est bien. Si c'est en chantier, c'est bien. C'est tout ce qu'on demande. Et vous n'allez pas museler les gens. Vous n'allez pas museler les gens. Quand moi, une petite perdue, elle porte le caleçon percé. Elle vient s'asseoir par une fille qui vit en Europe. Elle va dire que j'ai raté ma vie parce qu'elle n'est pas conçue la maison au Cameroun. On te dit que, donc pour toi, conçue la maison au Cameroun, ça va réussir sa vie. La maison où tu ne vas pas dormir un jour. On dit que moi, je vais conçue les tombes. On dit que moi, je viens construire les tombes. Même chez nous, à Kibi, derrière la maison, il y a le terrain plein. On dit que je viens construire les tombes, construire les cimetières. Moi, je vais construire, je vais habiter.
ou il va rester dedans. Il va faire ticket, il quitte Mbeng, je laisse Mbeng, je vais même passer au Cameroun. Quand je suis malade, j'appelle l'urgence et le Samy vient garer devant la maison. J'appelle les urgences, le Samy vient, quand ma santé doit d'abord être en sécurité. Il va construire, quand ma santé n'est pas en sécurité. Quand je suis malade, j'appelle les amis de Dieu, me porte, me met dans un taxi, le taxi fait l'accident, vous passez les trous, il y a les trous en route. J'ai mal avant d'arriver à l'hôpital. Tu es sérieuse? Tu as bu quoi? Tu as fumé quoi? Tu as fumé le pétrole? Hein? Tu es malade? Que quand je suis malade, il faut que je... D'ailleurs, je suis pas moi française, hein. Que si j'arrive au Cameroun, on dit que c'est chaud. Je suis tombé là, que j'ai eu l'AVC. Il faut m'amener à l'hôpital. On appelle, il n'y a pas urgence. C'est la nuit. On prend le taxi. Le taxi en filant, il entre dans un trou, choc. L'AVC, la maman, je meurs même avant d'arriver à l'hôpital. Donc j'ai l'argent pour dépenser. Donc j'ai l'argent pour dépenser. Si un conscient comme là, c'est pour mettre en location. Aider et dans l'hôtel. Tu as compris? Si un conscient comme c'est pour mettre en location. Il n'est même pas pour habiter. Et mal l'hôtel, je mets ça en conscient que c'est pour. C'est vrai que je prends mon crédit, s'il a même 20 millions, 5 ans, je ne vais pas avec conscient, je multiplie mes dos. C'est vrai que je mets ça en location ou appartement meublé. Quand elle dit, moi, mais je dors à l'hôtel. Je viens pour une semaine ou un mois. Quand elle sent comme si ma tête a mal, mon bien, ou d'avoir ouvert, je suis à la repos, le rendement à Simalé, je suis à partir. Tu as compris? Le jour qu'il y aura le Samy qui va rester, elle va appeler. Tu veux qu'il appelle le Samy? Attends, il va appeler le Samy devant toi. Tu vas entendre comment il parle. Tu vois qu'il est au Cameroun là. Regarde comment ça se passe en Europe. Je me vends tellement, je suis une Benguetaire. Ah, tiens. Je suis une Benguetaire. C'est quoi encore le numéro du Samy là? Le 18, tu crois? C'est ça? Je ne sais même plus trop. Ou le 17. Maman, écoute. Écoute comment j'appelle. Hein. Je dérange. Ils vont me faire quoi? Écoute. Écoute, ça se passe en France. Si tout le monde construit, il sera locataire. Merci, chérie. Ouais, ça ne passe pas. Ok, le téléphone, c'est à quoi? Je te demande comment ça se passe en Europe pour les filles. Moi, je suis en Benga. Ah, tu as dit le 15, merci. C'est pas pour dire les filles de mémoire. Là. Mais écoute comment ça se passe en Europe. Mais pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qu'il y a sur mon téléphone? Ok. Mon téléphone a quoi? Non, non, c'est le 115. C'est le 115, c'est pas le 15. Et qu'est-ce qu'il y a à mon téléphone? Ah! Bon, attends, je vais prendre le. Je vais prendre le. Mais qu'est-ce qu'il a mon téléphone? Je suis obligé. Je vais éteindre le. Ma, il va te montrer comment ça se passe en Europe. Hein. J'appelle à mon fixe. Ma. J'ai le fixe chez moi. Tu as le fixe chez toi. J'ai le fixe. J'ai le fixe à la maison. Ma, tu as le fixe. Idiote. Attends, il appelle chez moi. J'appelle avec le, fixe. Écoute comment ça sonne. Le 115. Comment ça se passe en Europe? Allô? Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour madame. Allô? Oui, bonjour. Excusez-moi madame, je me sens un peu mal. C'est quoi votre nom? Biakmen. Faut commencer par là? Biakmen. D'accord. Comment ça s'écrit? B-I-A. B-I-A-K-M-E-N. Allô? Oui, c'était pourquoi, madame? J'ai des fortes douleurs, je n'arrive pas à marcher. Madame, il faut appeler le 15. D'accord, madame, merci. Vous n'êtes pas sur le bon numéro. Ma, tu as vu, non, j'ai oublié, c'est le 15. Tu as vu? Non, oh, je suis que c'est pour. On a fait le modèle normal. Ouais. Regarde.
C'est pour vous dire comment ça se passe. Tu veux que j'appelle alors le 15 maintenant? J'appelle le 15. Comment ça se passe en héros? Tu vas mourir sans connaître ça. Va boza, ma. Va boza. Va affronter les requins. Tu vas mourir sans connaître ça. Va affronter les requins. Hein? Va affronter les requins. Tu vas mourir. Même vos autorités là, quand ils ont un peu au Camerounais, c'est comme ça qu'ils viennent ici à Ben se soigner. Tu vas d'ailleurs. J'étais à l'hôpital, Emma. J'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital voir mon gynécologue. Voilà ma carte vitale. Même 5 fois, elle n'est pas payée. Sur un. Hein? Sur la tombe à femme. Hein? Voilà ma carte vitale. Même 5 francs, elle n'est pas donnée. C'est le blanc qui baille tout. Hein? J'étais à l'hôpital. Voir mon gynécologue. Tu as compris? Tu vas faire un à pourquoi? Hein? Ah, dis donc, pardon, fais pas venir me déranger pas. Vous aimez tout donner, tout faire tout la mort, c'est dangereux avec quoi? Pardon, quittez sur mon direct. Vous les Africains, vous aimez tout déranger. Vous n'avez pas vu, vous aimez tout déranger. C'est dangereux de tuer quelqu'un. Ah! Il m'a dit, il me donnait les choses, moi, c'est vous qui me dites que c'est dangereux, c'est dangereux. C'est toi qui payes. Tu vois, il n'y a que les Africains qui vivent en Europe. Il n'y a que les Africains qui vivent en Europe, c'est nous qui payons, on ne paye plus. Quand tu arrives en France, tu n'as pas les papiers, tu fais comment? Tu as trouvé le travail directement, c'est nous qui payons. Moi-même, je paye. Je travaille à Facebook, je suis déclaré. Tu as compris? Je travaille à Facebook, je suis déclaré. Je paye les impôts. Avec Facebook que tu vois là. Tu as compris? Je paye les impôts. Si tu crois que je mens, demande à tout le monde qui a une page Facebook. Pour monétiser une page Facebook, il faut faire les déclarations d'impôts. Tu as compris? Il faut faire les déclarations d'impôts. Les impôts savent, ils sont au courant de combien je reçois par mois dans Facebook. Si tu as 1500 euros, tu imposes, tu vas payer les impôts. Même 2000, même 3000 euros. Tu payes les impôts. Tu as compris? J'ai un salaire, j'ai une fiche de paye qui me donne accès partout. Tu as compris? Demande à n'importe qui a une page Facebook, ils vont te dire. Facebook, là, c'est une société. Facebook, Meta, c'est une société américaine. Nous sommes les employés de Meta. Déclarés aux impôts. Déclarés. Le blanc ne fait pas les trucs, les magouilles là. Tout ce que Facebook reçoit en Europe, tous ses employés sont déclarés. On demande le numéro fiscal, tout va pas ouvrir une page où tu vas voir. Donc je travaille, c'est mon boulot, d'accord? Donc c'est mon travail. Tu ne connais pas les magouilles qu'il fait pour avoir ça. Et tu vas te dire tous mes schémas, vous allez me trahir, je suis dans le schéma. Donc, toi qui es blogueur là, que tu sais que tu touches les aides. Ne va pas ouvrir Facebook, tu déclares tes revenus de Facebook. Tu peux ouvrir Facebook avec ta fiche d'imposition. Hein, parce qu'on va tout te couper. On va couper toutes tes aides. Parce qu'ils vont voir. On a vos plaies. Voilà ça. Mes examens. Tu as ça, la fille. J'ai quand même appelé le divin et dit que je me suis trompé. Pourquoi? Ils vont faire quoi? Bonjour, vous n'écoutez pas. Vous avez une conversation avec les sapeurs-pompiers. La conversation va être enregistrée. Yes. Please hold on. You will be connected with the fire department. J'ai entendu. We'd like to inform you that... Donc là, ça se passe en euros. Si tu veux, si tu veux te faire le cinéma en direct, vous qui vivez au Cameroun là, je tombe ici là. J'appelle les pompiers. S'ils arrivent ici, tu veux qu'ils appellent. Si comme j'ai appelé là, je leur dis que je suis malade. Après, je raccroche. Ils vont venir ici là. Ils vont casser même la porte ici pour entrer. Ils vont casser la porte ici pour entrer. Voilà l'avantage de Mbeng Mama. Tu vas souffrir. Va boza. Ma chérie, va boza. Mbeng est bon. C'est le paradis, maman. Je suis au paradis. Oh, ha. Tu as compris? Quand il vit au Cameroun, c'est pour manger le maïs, parce que c'est la terre de mes ancêtres. Il y a tous les trucs qui... C'est les trucs qui me manquent. Mais ici, là, nous sommes au paradis. Mais plein du mollet. Mais là, le goût.
Oui. On va se battre, on vient plaider pour toi, Péneo. Tu ouvres ton sale couetou que tu n'as pas lavé depuis le matin, maman. Et l'engala Numba, l'engala du col, il faut se utiliser le citron. Il y a les odeurs très fortes, c'était Philippe là. C'était Philippe, on tourne les odeurs fortes. Tu vas les t'envoyer le déodorant. Hein? Les filles là, Numba, elles ne se lavent pas. Il n'y a pas l'eau. Est-ce que c'est là qu'on coupe l'eau? C'est l'eau, fait même 3 jours, il n'y a pas l'eau, elle va aller puiser l'eau au puits. Elle reste de celle-là, parce que vous avez un Numba, elles sont sales. Vous n'avez pas encore pleuré. On supprime, elles vous mettent des elles sont là, elles vont pam, pam, pam. Elles vont oublier sa bouille, pas dans mon direct. Hein? Attendez, je te dis que quoi? Est-ce que j'ai encore les gens là? Moi, je m'en fous de. Non, je ne parle plus de moi. Moi, je suis dans mon combat. N'oubliez pas que je suis ambassadeur de Tap Tap Sen. Pour envoyer de l'argent au Cameroun, utilisez mon code promo LOLO237. LOLO237 avec l'application Tap Tap Sen que vous téléchargez depuis un téléphone Android. Voilà. Le déodorant des fois ne fait plus rien. Maman, les filles à Numba, les filles du cola, elles sentent. Regardez, pas toutes, elles sont certaines. Elles Numba jusqu'à. Maman, les gars, elles ont le cœur. Imagine que mon frère sent le maquillot pourri. Et c'est lui avec quand elle a la connexion de sang, frère, elle dérange. Tata, l'autre, t'es salué, tu ne réponds pas. Oh non, Gloria, lui, je t'ai pas vu, ma chérie. Comment tu me salues, tu vois? Pourquoi vous êtes souvent comme ça? Aïe! Directement, tata, l'autre, tu me salues, tu me vois. Tu veux me trouver en train de faire un live. Peut-être que tu as fait un commentaire, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ton bonjour. Si quelqu'un te dit bonjour. J'ai vu la pandémie, j'ai passé la pandémie. Maintenant, là, c'est maintenant là que j'ai regardé même. Bernard Junior Matin, il m'a dit bonjour. Je réponds bonjour, Bernard. Et parfois, tu peux dire bon. Quand vous venez me trouver que je suis en train de dire quelque chose, je ne peux pas couper. Tu sais. Ah, pardon. Quand quelqu'un est en train de faire le direct, tu viens me dire bonjour. Je ne peux pas arrêter mon direct pour te dire bonjour. Parce que ça peut me faire perdre le fil de ma parole. Je vais parler. Peut-être vers la fin. Je vais dire, tel était là, bonjour, tel était là, ce que j'ai fait souvent. Je ne peux pas arrêter de dire à chaque fois que quelqu'un me dit bonjour. Je dis, attends, Jadel, bonjour. Après, je quitte. Quand on est bête, hein, quand on est bête et quand on est ignorant, c'est quelque chose. C'est quelle bêtise ça. Donc, vrai, tu demandes au Bami de te soutenir. Écoutez. Écoutez un peu, je vais lire son commentaire. Donc, veux-tu demander au Bami, bon, Bami Leke, de te soutenir. Et maintenant, tu dis que tu veux laisser Wafo Karibo. Ouais, mes soeurs, Bami, tu es tellement bête. Je dis, le sale con de ta mère, je te bloque. Chienne, va. Allez, dégage. Tu as suivi mon live? Tu as suivi ce que j'ai dit? Est-ce que tu as suivi ce que j'ai dit? J'ai dit que pour le moment, Wafo a fait sa sortie qu'elle venait me combattre Marlène Mvuto par rapport à la première dame. Et elle a, au lieu de parler de Marlène Mvuto, elle a mentionné le nom de Bam Leke, elle a menti sur les Bam Leke des réseaux sociaux, de Facebook. J'ai dit non, ça c'était la raison de ma sortie. Maintenant qu'elle a changé la bouche, elle a reconnu que elle n'a jamais parlé de Bam Leke. Que les Bamlekés sont les nobles, que sa grand-mère est Banenkok, ça veut dire que sa mère est Banenkok aussi, elle est Banenkok, elle est Banenkok. Bon, pourquoi continuer le combat? Parce que si je continue, si elle sort, les gens vont croire que je suis venu prêter main forte à Malène pour combattre Stella. Je préfère le laisser dans leur combat. Quand elles auront fini, je vais revenir sur cela parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à Wafo. Toi, tu viens de me dire que j'ai dit au Bamleke. Les Bamleke doivent continuer. C'est qu'ils veulent continuer à l'insulter. Mais moi, non. Est-ce que vous avez un problème là? Je sais pas, il y a un problème à votre. Il y a quoi? Putain, quel problème? Je t'ai dit que je ne dois pas dire au Bamleke de se défendre. C'est quoi ce truc? Je ne vais pas être là, genre, comme si je combats la même personne avec Malène. Non. Non, on ne combat pas la même personne. On n'a pas les mêmes combats. Mais comme elle est sur Malène. Sur Malène. Pour le moment, je vais d'abord laisser Wafo. Non, le Gloria lui, pardon, je suis en train de parler autre chose, maman. Si vous voulez vous insulter, insultez-vous. Je suis en train de parler autre chose. Je t'ai dit bonjour. Mais là, je n'ai pas aimé. C'est que tu dis que Lolo, tu me dis pas aussi bonjour.
Tu peux me trouver en train de faire. Tu me connais depuis sur ta mère. Tu vois mes directs. Tu sais comment je suis. Tu peux venir me dire bonjour, ma fille. Je suis en train de parler. Je ne vais pas arrêter de parler pour te dire bonjour. Non. Je vais te dire bonjour peut-être après, quand j'aurai. Comme là, maintenant, je suis à la fin du direct. Je vais te dire bonjour parce que je vois plus les commentaires. Je suis plus concentré. Mais quand je disais, c'est comme si je disais à quelqu'un d'autre bonjour. Je ne te disais pas bonjour. Non. Donc maintenant, tu as des points. La pandémie, la pandémie. Vous chamaillez. Moi, je ne me mêle pas. La pandémie, je sais qu'il y a le loma que tu ne dois pas insulter sinon. La panthère du zoo. Si tu viens dans les lolomania, tu dois respecter les lolomania. Parce que parfois, toi, tu viens, tu pars. Elles ne sont jamais parties, elles ont toujours été là. Donc, de grâce, quand tu viens chez les lolomania, dans ton ancienne famille, tu ne dois pas insulter les lolomania. Tu ne dois pas l'insulter. Si tu l'insultes, c'est comme si que tu étais venu avec un plan B pour détruire la team de Tata Lolo. Donc, tu n'as pas à l'insulter. Tu viens, tu fais tes commentaires. Moi, je peux lire tes commentaires, je peux lire leurs commentaires, mais ne vous chamaillez pas. Restons dans la paix et dans le respect. C'est qu'on vous demande. Donc, voilà quelqu'un qui... Tu dis que je ne vais pas me mêler du problème de Wafo. Je ne sais pas si j'ai mal parlé. J'ai pleuré de la toi. J'ai mal parlé. Parce que les gens vont aller interpeller ça. Ils vont dire ça d'une autre manière. Tu voyais, on vous avait dit non. Elle est pour qu'on insulte la première dame. C'est ça qu'elle est en train de suivre. C'est ça qu'elle insulte Wafo. Non, je ne veux pas ça. Moi, je ne suis pas lâche. Je préfère leur laisser faire leur clash. Car parce que Marlène, ça fait depuis plus de 3 semaines qu'elle a dit qu'elle n'insulte plus la première dame. Depuis plus de 3 semaines. Le lendemain du jour qu'elle a même fait ça. Et ça s'était même déjà calmé. C'est quand il y a quelqu'un qui a fait une sortie pour dire que vous êtes où. On insulte la première dame, vous ne dites rien. C'est là où celles-là sont sorties maintenant pour venir défendre. Alors que c'est une histoire qui date du 1er février. Donc ils sont revenus maintenant en renfort. Mais ce qu'elle dit que bon, maintenant elle avait déjà dit qu'elle insulte plus. Maintenant elle répond à ceux qui l'insultent. Maintenant comme elle est dans son combat, quand ils auront fini leur combat, je vais entrer en jeu avec Wafo. Wafo, je vais entrer en jeu avec toi. Tous tes directs, j'enregistre parce que nous allons décortiquer tes directs. Je ne suis plus dans les clashs. Mais si je veux seulement que tu me montres ta maison, que tu vivais là, on t'a chassé de ta maison. Tu n'as plus le chez toi. Tu ne travailles pas. Tu souffres comme moi si. Tu es une femme seule où tu touches 1000 euros d'allocation. C'est écrit. En 2022, tu touches 1000 euros d'allocation. Tu as fait la réunion d'aristocrate. La réunion est terminée. Tu as bouffé dans les gens. Tu voulais te marier à Belfort. Il vient te sortir la photo du blanc. Avec qui tu voulais te marier à Belfort. Avec qui tu as. Vous avez organisé le mariage. Le blanc a fui. Le jour du mariage à Belfort. Tu auras tout ça. Mais pour le moment, je te mets à côté. Je ne peux jamais porter ton sac parce que tu ne m'atteins en rien. Tu n'as pas les enfants, maman, qui étaient deux premiers enfants. Un que tu as collé sur le père du premier, c'est un Bamina. La deuxième, c'est une fille. Son père s'appelle Matoke. Il est en Turquie. C'est lui qui est Baham. Ou c'est lui qui est Bamina ou quelque chose. Baham. Baham, il croit quelque chose comme ça. C'est lui qui est Baham. Donc, arrête de mentir. Tu as dit que ta grand-mère. Et Banekok, tu es Banekok et tu as grandi dans l'environnement de Banekok. Tu parles bien Banekok, mais tu ne parles pas Biti. Parce que tu n'as pas grandi dans l'environnement de Biti. Voilà. Tata Lolo, je t'écoute étant au boulot. Mon chef te salue. Salut le chef de Gloria Louise. Donc, mais Lolo Maya, c'était juste un direct de sensibilisation et dit aux Camerounais que. Si je parle aujourd'hui, je parle en tant qu'une Camerounaise, je ne représente pas une ethnie. Juste que le gouvernement essaie de voir le problème des NIO, la hausse des prix de carburant et tout ce qui va avec, parce que les Camerounais, ils n'en peuvent plus. C'est trop. Voilà. Un peu ça. Maintenant, en fait, Japap, il y a quoi? Il n'y a plus le Japap. Et je vais parler aussi de... Ouais, Dieu m'a force, je continue. Je vais aussi parler de. Un peu, on fait un tour en Côte d'Ivoire. Il est déjà fait une heure là. J'arrête, non? Ça a fait une heure. Ça a déjà fait une heure. J'arrête. Ça a fait une heure. Si il a fait une heure, dites-moi, j'arrête. Parce qu'après, j'ai rendez-vous à 15h. Bonjour, Tata Lolo de cœur. Bonjour, Cathy. Yep, mon. Tu as fait une heure de live, il dit que tu es trop belle et que je lui donne ton numéro, mais malheureusement, vous ne parlez pas la même langue. Je vais apprendre à parler l'allemand.
Ah, ben 1h30, c'est bon, je coupe, c'est bon. Je coupe alors. Nous allons parler du père Daoula. C'est que j'ai les. Abonnez-vous massivement et partagez le live. Abonnez-vous massivement, massivement sur la page Tata Lolo TV. Vous savez que la page à cœur ouvert, c'est une page qui était signalée depuis 2 ans. Elle ne bouge pas depuis 2 ans. Elle est là comme ça. Nous avons repris cette page 6 flashs de secours. Abonnez-vous parce qu'on dit un challenge 100 000 abonnés avant le mois de... Nous sommes en quel mois là? Nous sommes en février. 100 000 abonnés avant fin mars. Je compte sur vous. 100 000 abonnés avant fin mars. Donc début mars, avril. Début avril, nous avons 100 000 abonnés sur Tata Lolo TV. Je compte sur vous. Partagez massivement. Nous allons faire le direct demain, un direct, parce que nous allons se parler de la Côte d'Ivoire. J'ai les abonnés ivoiriens maintenant. Nous allons parler du père Daoula, où c'est Daoula, où c'est Daoula. Et à Poutou. Je pense que les torts sont partagés. Les torts sont partagés. Vous savez que les Africains, quand vous suivez quelque chose, vous êtes trop dans les émotions. Ce n'est pas peut-être parce que quelqu'un m'a donné 1 million que je vais être... Je vais être esclave de la personne. Ce n'est pas peut-être parce que Daoula, voilà le père Daoula, ce n'est pas peut-être parce que le roi 12-12 a donné 1 million, 2 millions, 5 millions au roi 12-12 qui n'a pas aussi le droit de parler quand il est fâché. Je vais vous dire qu'est-ce qui a frustré le père Daoula. C'est Apoutchou. C'est Apoutchou. Et le papa l'a perdu le contrôle. Comme il ne savait pas s'exprimer, il allait loin dans ses dires. Mais c'est Apoutchou qui est la cause de la séparation du père Daoula. C'est quoi? Daoula et le roi 12-12. Oui. Parce que Apoutchou a commencé, le père Daoula a commencé avec le roi 12-12. Apoutchou n'était pas là. Nous avons tous vu dans les réseaux sociaux. Tout le monde a vu ça dans Facebook. Ne faites pas comme si vous ne voyez pas. Le papa là, c'est la première fois que j'entends. Mais Daoula, le père Daoula, ok. Le père Daoula, merci Vonvon Simit. Comment tu vas Vonvon Simit? Lizzy Pokémon, si tu as vu comment Vonvon Simit, hein? Vovon Simit. Vovon Simit. Quand on dit quoi? Le père Daoula, c'est ça? Daoula. Le père Daoula est victime. Le père Daoula, sa sortie a été maladroite. Mettons en tête qu'il n'est pas là à l'école. Donc sa sortie a été maladroite, ça n'a pas arrivé. Mais quand tu regardes le fond, le père Daoula a raison. Le père Daoula a raison. Apoutchou est un imposteur. Apoutchou c'est un envahisseur. Apoutchou veut tout contrôler. Mais nous en savons que, chers Ivoiriens, le père Daoula est le premier. Si j'ai entendu parler du roi 12-12 dans les réseaux sociaux, devant Dieu, devant les hommes, connectez-vous le soir. C'est le père Daoula qui m'a fait connaître le roi 12-12. Devant Dieu et devant les hommes, c'est le père Daoula qui m'a fait connaître le roi 12-12. Sa sortie à l'aéroport où il a rampé devant ce monsieur. Le père Daoula est victime de la mafia autour du roi 12-12. Le père Daoula, acceptons, reconnaissons qu'il a fait une très mauvaise sortie. Mais ce soir, je vais parler au père, au roi 12-12, concernant le père Daoula. Le père Daoula est victime de la mafia qui est autour du roi 12-12. Et le chef de la mafia, c'est Apoutchou. Le chef de la mafia, c'est Apoutchou. Bipez Apoutchou ce soir. Vous bipez le père Daoula. Moi, je suis camerounaise. Mais aujourd'hui, là, moi, je vais parler comme ivoirienne. Ce soir, je vais parler de ça. Je vais parler de ça. Le père Daoula est victime. Vous n'avez pas compris le schéma. Ça, on dit que les Camerounais sont trop wise. Les Camerounais sont trop wise. Les Camerounais sont trop inspirés.
Les Camerounais comprennent vite le schéma. C'est ça que les gens ont peur des Camerounais parce que nous sommes la terreur. Nous avons un cerveau. Nous, on réfléchit avant de sortir. Le père Danlois est victime du schéma de la mafia qui est autour du roi 12-12. Le père Danlois est victime d'Apoutchou. La première fois qu'on parle du père Danlois dans les réseaux sociaux, que le monde entier a entendu parler du père Danlois, du roi 12-12, c'est grâce au père Danlois. Le roi 12-12, si tu es populaire, tu n'es pas le plus riche du Mali. Tu n'es pas le plus riche du Mali. J'ai rencontré un riche malien en Côte d'Ivoire. Un riche malien en Côte d'Ivoire. Dans un hôtel. J'ai rencontré un riche malien en Côte d'Ivoire. Le roi 12-12. Tu n'es pas le plus riche de la Côte d'Ivoire. Mais j'aime ton affaire. Parce que tu es généreux. Parce que tu es humble. Parce que tu aimes les gens. Tu es simple. J'aime ton style. Mais toi-même, tu n'as pas compris ce qui se passe. Le père Danlois est victime d'Apoutchou. C'est ça. Oui. Le père Danlois est victime d'Apoutchou. Et il impose son respect. Mais il n'a pas su te parler. Parce qu'il n'a pas, il n'est pas là à l'école. Il était maladroit. Et je vais expliquer ça aux Ivoiriens ce soir. Ça ne chauffe pas. Nous allons parler de tout. Par exemple, voilà, Marco, cela, il parle de tout. Nous, on va parler pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, connectez-vous ce soir. Allez leur dire. Allez dire au père Danlois qu'il y a une Camerounaise là. Qui va prendre sa part. Qui va arranger son poids avec le roi 12-12. Vous partez dire à Poutou que je l'invite ici. Ce soir. Et n'aie pas peur de lui. Et je vais aller en Côte d'Ivoire. Il va rien me faire. Oh, il va aller en Côte d'Ivoire, il va rien me faire. Le père Danlois qui a fait la promotion, qui a fait connaître le roi 12-12 dans les réseaux sociaux, c'est le père Danlois. Apoutchou, tu fais quoi avec le type là? Apoutchou, pourquoi tu veux écarter le papa là? Pourquoi tu veux maintenant te faire passer pour le plus aimé du roi 12-12? Jamais le père Danlois a sa place. Il dit, faut qu'elle me cartille, je vous dis quoi, ça ne chauffe pas. La fortune, bébé, là. La fortune, non. La forme, femme. Hey, comment tu vas, ma petite soeur chérie? La panthère du zoo, le roi de j'aurais moins peur de prendre ton argent. Maman, tu as peur, quoi? Il me donne, je prends, maman. J'étais dans la société avec lui. Il me donne, je prends. Donc, ce soir, nous allons parler. La reine, mais tu t'appelles. Je vous fais les gros bisous, hein. Je vais même manger, me reposer un peu. J'ai rendez-vous à 15h30. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. J'ai dit à mes frères Camerounais, il y a un niveau de conscience. Dénonçons pour le bien-être de tous les Camerounais. Nous ne dénonçons pas pour le bien-être d'un village. Parce que s'il fallait regarder l'oreille, le bien-être d'un village, je devais aller m'asseoir ici là pour parler. Parce que chez moi, à Kribi, là, il y a le goudron. Kribi est goudronné. Chez moi, à l'ouest, là, il y a le goudron. Quand tu pars de Banganté jusqu'à chez nous, la famille familiale, il y a le goudron. Il y a l'eau. Chez nous, il y a les rivières. Il y a les puits partout. Il y a les forages partout. Les bams, les là qui sont riches là. Ils ont conçu les forêts. Ils ne sont même pas là. Donc, on n'a pas de problème. Mais nous, on parle au nom de tous les Camerounais. Et laissez-moi vous dire que Lolo n'est pas tribaliste. Et je ne le serai jamais, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Voilà. Et je vais dire à un gars qui s'est fait passer pour un brigade anti-sardinat. Ne viens plus jamais sur ma page m'imposer quoi que ce soit. J'ai fait mes directs seuls. Je ne vous appelle pas. Je n'ai pas une alliance avec vous. Je n'ai pas un contrat avec vous. Je parle au Camerounais. Je ne parle pas pour vous plaire. Je parle au Camerounais. Je ne parle pas pour plaire à la brigade anti-sardina. Je ne parle pas pour que la brigade sardina dise demain qu'on ne boycotte pas le lot. Non. Je ne vous achète pas. Je ne vous flatte pas. Je n'ai pas besoin de vous. Mais je parle à mes frères et à mes soeurs Camerounais. Je ne vais jamais partiser avec vous. Donc là, quand tu viens de parler, tu viens de dire là que, oh, est-ce qu'elle parle même pour nous? Est-ce qu'elle a demandé aux Camerounais d'aller s'inscrire dans les listes? Je suis libre de demander aux Camerounais de faire telle ou telle chose. Je ne reçois aucun ordre venant de toi. D'accord. Tu as vu la reine mère d'Athéna, elle m'a demandé de faire quelque chose. Non. Elle suit, mais là, quand c'est la range, elle vient régaler, elle commande. Quand c'est la range, elle passe, elle est comme un taxi plein. C'est comme ça. Ne viens plus jamais. Tu as compris, non? Plus jamais dans ta vie,
de me dicter une ligne à suivre. Je ne dis rien. Je dis ce que j'ai envie de dire qui me vient dans le cœur. Je ne suis pas là pour. Parce que je ne chante pas. Je ne sors pas. Je ne fais rien. Je suis tout chez moi. Un de mes petits trucs que je fais. Donc je n'ai pas. Je ne suis pas là pour. Je ne vais jamais partiser avec vous. Parce qu'il y a des choses que vous faites que je n'aime pas. Voilà. Je suis non. Je dis non à la violence. Je suis comme ça. Donc moi, je m'adresse aux Camerounais. Je ne m'adresse pas. Je ne cherche pas l'amour des brigades anti-sardinats. Je ne vous veux pas. Voilà, je ne cherche pas votre amour. Je n'ai pas un point avec vous. Je n'ai pas un point avec les patriotes. Je m'adresse à mes followers, au peuple camerounais qui me suivent. Pardon, ne viens plus jamais sur ma page me donner une recommandation. Là, tu vas me faire changer. Je vais dire ce qui n'est pas bien. D'accord? Respectons-nous. Tu respectes mon blog. Voilà. Va parler quand tes gens sont en direct. Ici, j'ai ma liberté de penser et j'ai ma liberté de parole. Tu n'as pas venu me dire que, ou tu vas pas venir m'imposer quelque chose à dire. Jamais! Je ne suis pas dedans. Je ne m'adresse pas à un Camerounais. Je m'adresse à tous les Camerounais. D'accord? Voilà. Vous avez votre combat. Je ne me mêle plus de vos choses. Vous m'avez dit que le lot ne te mêle plus de nos choses. Je ne me mêle plus. Donc, ne vous mêlez pas aussi de mes choses. Laissez-moi parler. Si ça vous arrange, vous commentez. Si ça vous arrange pas, vous passez. Moi, je vous connais déjà. Donc, c'est comme ça. Si je vous souhaite un bon après-midi. Vous savez que je suis maman. J'ai les seins. Quand je reste longtemps, je commence à avoir mal au dos. Donc, quand je reste longtemps assise, je commence à avoir mal au dos. C'est ce que Dieu m'a donné, maman. Dieu m'a donné mes lolos. Il y a la chirurgie. Il y a la chirurgie et la pré-chirurgie. Le roi, faut dire que mes seins balaient le sol, ça fait voir. Maman, mais le soutien, j'arrête avec. Maman, hey! Ah, ma wafo, ma sœur, mamie, hey! On dit comment Banenkok, que tu m'as dépassé. Ah, Banenkok, on dit comment? On dit comment Banenkok, que tu m'as dépassé. Wafo manque même sur sa taille. Mais Wafo, merci, hein. Vraiment, vraiment, merci. Tu es... Non. Yeah! Je te donne le tchaka, maman. Non, tu es vraiment la femme de Féman. Ah non, tu es comme ça. Je te dirais, je te suis, continue seulement, coupe un peu. T'es lolo, tu donnes. Non, je ne coupe pas la reine, mais je ne coupe pas moi. C'est Dieu qui m'a donné, j'ai moi peur. Peut-être plus tard, je vais couper. La tâchette. Non. Wafo, merci, maman. Tu m'as fait rire aujourd'hui. Merde. J'ai dit que j'ai rivé m'engouler dans la maison. C'est que non, Wafo, il était dans le tchaka. Merde. Wafo manque même si ça taille. Hey, Wafo. Wafo dit que elle a 10% de Bamileke. Mais hier, que sa grand-mère était Balenkong. Wafo, non. Non, la femme, c'est une femme. C'est une femme, maman. Allez, c'est que si vous, je vais vous faire écouter le direct là le soir. Non, on ne peut pas, on va laisser. Si vous voulez comment elle raconte la fin de Ménosé, mais c'est mon frère. Pendant qu'elle est bien, il m'aime, ça, maman, il a envie de rire. Ou faut m'en gagner. Ou faut aussi dépasser avec Thomas. Mais, non, il te donne le tchaka, ma chérie. Ah non, tu es forte, maman. Ou faut m'en même sur sa taille. Mais. Wafo dit qu'un mec, Wafo a 1m70. Wafo, donc tu as ma taille. Wafo dit qu'elle a 1m70. Alors que c'est à propos, ça c'est Bolingo. Tu sais que Wafo, je te manque pas, non. Wafo, je m'avais dit que Lolo, si tu vois la fille là, elle est petite plus que moi. Tu regardes la taille de Wafo, je m'atteins ici, hein. La veuve, elle m'atteint ici. Regarde alors Wafo, qui m'atteint ici, Wafo est où?
Non, franchement, ben, il y a un moment qu'il faut rentrer au pays, à Wallaï. Il faut voyager. Vraiment, à un certain âge, hein. Ben, ouais, il faut quand même ne pas dire, hein. C'est pas sur l'audience, hein. À un certain âge, il faut back au pays, que, tu, même pas au pays. Tu commences à faire les voyages. Tu voyages, tu vas aux États-Unis, tu vas en Côte d'Ivoire. Parce que rester sur place en Ben, ça rend folle. Voilà, je vous mens pas. C'est la maladie. Ben, si peut rendre quelqu'un. Que, je comprends maintenant pourquoi les Blancs parlent seuls en route dans l'Europe. Hein. Je commence à comprendre pourquoi les Blancs parlent seuls en route. Parlez si vous ne faites pas la maison, mon frère. Parlez seul. Andy, pardon. C'est une actrice, hein. Elle peut jouer un film. Tu fais un film, tiens. Laissez la comme on dit qu'il y a les comédiens. On voit une vraie comédienne que tout le monde devait prendre. Tout le monde devait prendre la fille là. Wallah. Wallah, je te vous jure. Tout le monde devait prendre cette fille. Non, tout le monde prend la fille là pour faire, pour jouer un rôle. Elle est forte, maman. Merde! Ah, ouais, passion, hein. Je vais te clasher après pour le moment. Ah, vous êtes resté longtemps, merci, hein. Merci, vous êtes vraiment resté longtemps. Oh, Claire Dingui, c'est pour cela qu'elle fait les lives dehors en ce moment. France Coquillette. Je vous jure que Waf n'a pas la maison. On l'a chassé, même en dit pourquoi. Tu sais, clair, je ne vais pas faire le direct sur Waf parce qu'on va confondre. Les gens vont croire que je viens prêter main forte à Marlène. Je vais faire le laisser d'abord. Attends, un autre jour, laisse qu'elle parle. Je vais revenir sur elle. Elle n'a pas la maison. On l'a mis dehors. Waf a perdu sa maison, je ne mens pas. Vous ne voyez pas qu'elle est toujours à l'angle. Elle a perdu sa langue. Waf dit qu'elle a soutenu. À l'hôtel qu'elle a fait le BTS en fac. Tu sais qu'elle écoutait seulement les commentaires des faussaires. Ouais, ma soeur. Qu'elle a fait que BTS au Iton. Vous me voyez aussi. Quand elle dit qu'elle. Ah, j'ai pas envie de faire la fête. Quand elle dit qu'elle allait demander au patron d'Iton. Tu vois le patron d'Iton? Ouais, elle dit qu'elle a demandé au patron de l'Iton en 1996, en 1998, c'est le même patron qu'elle a là-bas aujourd'hui. Elle connaît le nombre de personnes que le monsieur l'a vu avec ses yeux. Elle connaît le nombre de personnes que les autorités sont venues avec les galabas. Il se dit, comment il saura que c'était toi? Elle demandait à l'employé, quel employé, le maman est peut-être mort. Oh, Wafo, tu es vraiment chapeau, quoi. Tu es une. Non, tu es. Elle-même, elle ne connaît même pas le patron de Ito, même le vigile. Non, Wafo, elle m'a gagné, non. Non, Wafo, non. Non, on va parler de toi seulement pour rigoler. On va parler de toi dans le clap. Parce que tu fais, franchement. J'ai regardé le dialogue matin, j'ai dit que putain, cette femme, c'est putain, c'est. Mais c'est qu'est-ce que. C'est quoi ça? Elle dit que. Elle est partie avec l'audio, l'audio ronflait. Le père avait les cheveux, ma. Pas Mendoza avait les cheveux. Non, dis-moi un peu, hein. Waffo, il n'y a pas de BTS en fac pour tous les. Mais est-ce qu'il y a le BTS en fac? Vovon, pendant que tu arrives de revenir, Michel Atangana, Waffo n'a jamais eu de maison. Ce sont les appartements meublés pris par les fausses cartes bleues. Quand sa note, elle change. Ah oui, je comprends. Ah waouh. Oh.
Elle met ses photos sur les murs. Ouais. Pendant qu'il arrive bien qu'elle lance le dieu, on ne peut pas rire le dieu de Waffle. Là, le Waffle. Waffle, tiens, il y a la veuve, toi, quand vous me classez, moi, je ris jusqu'à ce point, il me raconte que c'est moi qu'on est sûr, c'est de rien d'autre. Elle dit que, Otam, j'ai vu que tu as mis une photo à Michel Soma. Reste avec Michel Soma, est-ce que Michel Soma, c'est l'engagé Otam? Maman, tu fais les renforts comme ça. Otam, moi, il m'appelle Lolo Otam, on t'a pas dit ça. C'est mon nom. Ah. Lolo Otam, c'est mon nom. Aïe, je suis l'engagé du gars, c'est mon gars. Hey. Attends, bientôt, le frère il va passer là derrière. Bientôt. Je vais faire le direct, notamment pour aller voir l'ombre de par haut ici, là, l'attacheur. Non. Les deux gars, là, France et Pouquette. Mais est-ce même c'est la main? Pardon. J'ai vu le direct de rêve en tête à tête. Ah non, après. Moi, je dis que bientôt, vous allez voir que Pao, l'attacheur, il allez voir sa cible, il va passer là derrière comme ça qu'il a fait le direct. Bientôt, est-ce que man, la série de l'attacheur commence. Nous lançons la série de l'attacheur Tata Lolo samedi à partir de 20h. Nous commençons la série. Je vais mettre le flyer. Je vais vous mentir parce que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. C'est la chérie d'attacher de ta Lolo. Attache-moi. On n'a pas parlé de ça. Pas attaché, attaché. Attache-moi. Bolivar, quand il s'est Valentine. Voilà, laissez Bolivar. Elle m'a oublié. Elle m'oublie comment. Elle passe par moi. Elle n'a même pas eu où. Bolingo m'avait dit que le logis was là. Elle. Elle m'a dit que. Vouvant, quelqu'un manque même avec sa taille. Elle dit qu'elle fait 1m70. Même sa famille, hein. Je dis que même quand c'est sérieux, elles sont dépassées. Elle dit que elle reste malade. Oh, ma faux pardon, tu es trop malade, ma. Tu m'as gagné. Cathy, non, ça me fait trop rire. On fait comme ça, ciao. Ciao, les filles. À ce soir, non.